Jean-Pierre Bernard, Pierre Bertin, Jean-Luc Beignet, Yannick Bigot, Myriam Bijard, Pascal Bolo, Erwan Bouvet, Chantal Brière, Marcel Chapeau. Jean Charrier, Pas Bertrand Choubrac, non. Catherine Siron Anne-Marie Cordier, Daniel Cornet, Hervé Corouge, Annaïque Cotonec, Marie-Christine Curodeau, Vincent Dany, non. Bernard Douault, Anne-Sophie Douet, Elisa Drillon, Véronique Dubetier-Grenier, Karine Fouquet, Présent. Bernard Gagnet, Marie-Paul Gaillochet, Présent. Claude Gauthier, Patrick Girard, Présent. Carole Grelot, Présent. Philippe Grovallet, François Guillot, Abbasia Akem, Présent. Françoise Améon. Yannick Horry, j'ai un pouvoir. Frédéric Vauchon. Liliane Jean. Samuel Landier. Bernard Lebeau. Charlotte Lucio, David Martineau. Lydia Ménien. Michel Ménard. Gatien Meunier. Serge Mounier. Christine Orin, Fabienne Padovani, Agnès Parago, Karine Pavisa, Ali Rebou, Daniel Rival, j'ai un pouvoir, Alain Robert, Fanny Salé, Nelly Sorin, Malika Tararbit, Catherine Touchefeu, Claire Tramier, Laurent Turquois, G1 Pouvoir. Christiane van Goethem, Marcel Verger et Nadine You. Mes chers collègues, avant de commencer cette séance, je voulais rendre hommage à celles et ceux de nos... Collègues, ou anciens collègues qui ont disparu depuis le début de l'année. Et euh, ils sont au nombre de cinq. Je citerai dans l'ordre René Bernard, qui est décédé le 14 février de cette année, à l'âge de 89 ans, qui a été maire de Fête-Bretagne et conseiller général de 92 à 98 sur le canton. De Blain. Donatien de ses maisons, bien connu à la chapelle sur Erdre, puisqu'il en a été le, le maire, élu au Conseil général de 67 à 2001, décédé dans le 16 avril 2018 à l'âge de 95 ans. Il a été dans notre institution successivement euh, vice-président du, du Conseil général. Il s'est beaucoup préoccupé du finance puisqu'il a été euh, rapporteur général du budget de 1979 de à 1994. Je l'ai dit, il a été euh, maire de la chapelle sur herde J'ai un vague souvenir puisque j'ai siégé avec lui euh, trois années au début de, de, mon premier, de mon premier mandat. Il a également été euh, conseiller régional de 1977 1994. Euh, à 86. Il était chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. René Leroux, nous étions nombreux à ses obsèques, qui est décédé le, le 30 mai 2018. Il a été élu au Conseil général à deux reprises, de 1994 à 2001, puis de 2006 à 2015. René euh, a été dans cette euh, assemblée vice-président. Il a également, et c'était sa passion, été maire euh, de Laturbal de 1989 à 2014 et député de, de Loire-Atlantique, puisqu'il avait succédé à Olivier Guichard sur la, circonscription, euh, sur la 7e circonscription de 1997 à 2002. Et nous, avons, euh, nous sommes nombreux ici à avoir euh, connu René, siégé à ses côtés, et avoir su apprécier à la fois sa, géné sa générosité pardon, et parfois euh, ses humeurs. Et j'avais une pensée pour René hier en, en voyant passer euh, l'ensemble de la flotte euh, de la Croisière de Pimbron avec euh, qui est 150 bateaux qui accueillaient des, des jeunes, si, jeunes en situation de handicap. Et René était évidemment très attaché à cette manifestation et au centre de Pimbron. Et puis, une grande dame de Loire-Atlantique, Monique Papon, avec qui j'ai également siégé, qui nous a quittés le 6 juin 2018. Elle a été élue très jeune d'ailleurs dans notre Assemblée, puisqu'elle a siégé, elle a été élue euh, de 1978 à 2004 sur le canton de Nantes 1. Elle était députée de Loire-Atlantique puis euh, sénatrice, où elle a même exercé euh, la fonction de vice-présidente, une fonction extrêmement importante. Elle a été adjointe au maire de Nantes entre 83 et 89, puis conseillère municipale de Nantes de 89 à 2001. Elle était officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, et a, encore cette année, elle était à, à nos côtés au moment des vœux. Elle participait assidûment à l'ensemble des activités des anciens conseillers généraux de Loire-Atlantique et nous avons une pensée émue pour, pour son mari. Et puis euh, plus récemment, Michel Guissot, qui a été euh, maire de La Plaine-sur-Mer, maire de La Plaine-sur-Mer de 89 à 95, euh, il a été conseiller général de 76 à 98 sur le canton de Pornic, cher Patrick. Il a également été conseiller régional des Pays de la Loire de 73 à 76, et nous le croisions régulièrement avec les anciens conseillers généraux de Loire-Atlantique. Il était chevalier dans l'ordre national du Mérite. Voilà, mes, mes chers collègues, en souvenir de ces cinq élus qui ont contribué au développement de notre beau département, qui s'y sont engagés, qui ont exercé des responsabilités communales, départementales, régionales et même national, je vous propose d’observer une minute de silence. Merci, donc nous allons poursuivre ce matin l'avis de notre Assemblée qui n'est plus Conseil régional mais Conseil général. Auparavant, Patrick Girard a, a demandé la parole. La parole à Patrick Girard. Oui, euh, merci Monsieur le Président. Michel Guissot a été maire euh, dès 1953 si je ne me trompe pas, puisqu'il a été le plus jeune maire de France à l'époque à l'âge de 24 ans. Donc il a fait une première période de, de maire à Temple. Enfin plein, oui. Tout à fait, mon cher collègue. Mais pour tout vous avouer, euh, en relisant mes notes, j'ai eu un doute tout à l'heure sur. Euh, donc c'est très bien que vous le précisiez, parce que il a été élu euh, effectivement, il a été réélu en 80, de 89 à 95, de 53 à 73 au précédent. Un... Parcours exceptionnel. Merci. Je vous propose donc que, que nous abordions l'ordre du jour, donc décision modificative numéro 2. Nous allons examiner 17 dossiers selon presque l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Mais si vous n'avez pas d'objection, je vous proposerai que Madame Malika Tarbi, qui pour des raisons médicales, est absente ce matin. Et ce n'était pas prévu dans notre ordre du jour, donc je vous propose que nous reportions à cet après-midi le dossier présenté par Mme Tararbi. Ensuite, donc, nous commencerons la séance par le rapport présenté par Mme Liliane Jean. Et évidemment, à cette occasion, je voudrais te saluer la présence de nombreuses personnalités ce matin qui nous accompagnent et partenaires de cette politique d'action sociale et d'insertion. Alors j'espère que je n'oublierai personne. Madame Valérie Richot-Tossac, déléguée départementale aux droits des femmes. Monsieur Gilles Cavet, vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je l'ai vu dans les tribunes. Monsieur Philippe Belli, président de la délégation de l'Oire Atlantique de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Président, je ne vous avais pas croisé ce matin. Bonjour. Monsieur Fabien Grandremie, membre de la commission emploi social du mouvement du MEDEF. Monsieur Daniel Brunin, directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, plus communément adopté appelé direct. C'est plus facile à dire. Merci de votre présence. Madame Valérie Laborde, chargée de mission à la direction régionale de Pôle Emploi de Loire-Atlantique. Madame Charlène Ledantec, responsable du pôle Famille à la CAF de Loire-Atlantique. Monsieur Gérard Barrier, président de l'Union régionale des missions locales des pays de Loire. Il est dans la tribune. Madame Héloïse Breton-Guimard, déléguée départementale de l'association Réseau des chantiers d'insertion de Loire-Atlantique. Madame Céline Piet, coordinatrice du service formation professionnelle continue à l'université régionale des métiers et de l'artisanat, Madame Irène Petitot, déléguée départementale de la Fédération des acteurs de la solidarité, et pour le réseau chantier école, Monsieur Jean-Pierre Caillon et Monsieur Jean-François Letierle, Monsieur Bernard Garot, représentant du groupe ressources de Nantes, je les ai vus derrière, Monsieur Patrick placé Représentant du groupe ressources de Nantes Est, monsieur Jean-Yves Roux et monsieur Steven Lemasson, représentant du groupe ressources Estuaire, et monsieur Sébastien Barriot, représentant du groupe ressources d'Anceny. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de monsieur Jacques Dalibert, remplaçant de monsieur Marcel Verger et maire de la Chapelle-Launay, madame Sylvie Guilleneuf. Remplaçante de Madame Danielle Rival, Monsieur Pierre Martin, remplaçant de Monsieur Patrick Girard, et Monsieur Serge Dreyans, remplaçant de Monsieur Erwan Bouvet. Voilà, j'ai salué tous nos invités. Donc, je vous propose d'engager l'ordre du jour, en vous précisant. Donc, Madame Liliane Jean va se préparer et rejoindre le pupitre. En vous précisant qu'après la pause méridienne, comme cela est bien dit, pour dire que nous irons déjeuner, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Aurélien Jacquan, qui est sociologue et maître de conférence à l'université de Paris Nanterre, et qui viendra, euh, qui interviendra sur les pratiques culturelles en amateur pour illustrer et, 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 et annoncer le dossier présenté par Madame Touchefeu. Voilà. Madame Jean est installée, donc la parole à Madame Liliane Jean. Merci, euh, Monsieur le, le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors, avant de démarrer, je souhaiterais juste que l'on puisse partager ensemble un petit film de témoignage, euh, le témoignage donc, de Sébastien, 32 ans, allocataire du RSA. Un témoignage qui est extrait d'un documentaire qui était intitulé Pauvre de nous et qui a été réalisé par Claire Lageny et diffusé donc sur France 5 en avril dernier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc là, on vous passe juste un petit extrait court. Je vous propose de regarder. Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans, 33 cette année. J'ai Bac plus 6, j'ai deux masters, le premier en développement social, intervention et conflit, et le deuxième euh, que j'ai fait à Sciences Po en politique européenne et affaires publiques. Il y a trois ans, euh, concrètement, j'étais chef de service, c'est un service médico-social, et du jour au lendemain je suis débarqué. Voilà, je ne sais pas pourquoi, euh, donc je perds mon emploi. Et là, euh, bah les ennuis commencent, puisqu'il faut, euh, je dirais vivre avec euh, rien. Euh, et le temps, en gros, que euh, les aides sociales se mettent en place, donc euh, Pôle emploi, tout ça, il se passe deux mois. Et donc là, bah, la vie professionnelle s'arrête, mais la vie quotidienne continue. Donc, vous avez euh, bah, les factures qui arrivent, voilà, il faut, faut manger. Je crois que c'est là où j'ai commencé à aller... Euh, c'est là où ça a commencé à être vraiment compliqué. Voilà. Être précaire, être dans une espèce d'antichambre de la vie. C'est-à-dire que tu t'es tu, pas vraiment dedans, mais t'es pas vraiment en dehors. Quand tu dois attendre la journée parce que t'as pas de boulot, parce que tu peux rien faire, c'est un peu comme si t'étais. Euh, t'as le bracelet électronique, quoi, en gros. Hein. Tu es chez toi, mais tu peux rien faire. T'as pas de liberté. Ouais, pas de boulot, pas d'argent, pas de vie sociale. Il y, y a un côté, euh, la vie s'arrête, en fait. On est dans une société de paraître, euh, concrètement. Aujourd'hui on n'existe que euh, à travers sa bagnole, euh, à travers ses fringues, à travers euh, son statut. Euh, comment exister quand on n'est rien Comment exister quand on rencontre quelqu'un et, et qui vous dit euh, salut, euh, je m'appelle tel, euh, je suis directeur, et toi bah, Moi salut, je m'appelle Sébastien, mais euh, aujourd'hui je suis rien. Le fait d'avoir des diplômes, le fait d'avoir deux diplômes... Euh, de master, ça te rassure, mais ça te fout la rage. Je suis prêt n'importe quoi. Je sais pas, pour bosser dans un supermarché. Franchement, euh, voilà, maman, faut bouffer, quoi. Donc ouais, on y va. On... Tant pis. Tant pis pour euh, les rêves qu'on a eus. Il y a trop de gens qui ont 30, 32, 33, qui sont diplômés et qui euh, galèrent ou qui retournent chez leurs parents. C'est pas possible. Donc euh, euh, lutter, c'est une forme de, ouais, de résistance. Bah, voilà. Résiste, pour que tu existes, tout ça. Avec les tu fais. C'est important. Non mais je pense qu'on va pas faire la gueule en plus. Quoi. Putain, si on doit faire la gueule en même temps que, que galérer, t'as vraiment rien compris. Quoi. Enfin, je pense. Mais ne rien faire, c'est ne, ne pas exister. quoi. Voilà. Ne rien faire, c'est ne pas exister. Ou comment exister quand on n'est rien Des paroles fortes, n'est-ce hein, pas Je regarde des allocataires du RSA qui sont là dans la salle. Ce sont des paroles qui nous obligent, nous responsables politiques, car ce témoignage nous rappelle en effet combien la pauvreté peut mener à l'isolement, peut mener à la perte de l'estime de soi au découragement parfois. Et tous ici nous avons pu rencontrer des situations analogues sur nos territoires. Alors non, bien sûr, Sébastien n'est pas rien. Non, bien sûr, les allocataires du RSA ne sont pas rien. Mais en tout cas, c'est le sentiment parfois qu'ils en ont. C'est bien souvent aussi qu'ils vivent ainsi qu'ils vivent leur situation. Et malheureusement, Sébastien n'est pas un cas isolé puisque selon l'INSEE Près de 38% des chercheurs d'emploi sont considérés comme pauvres. Être sans emploi aujourd'hui, clairement, accroît les risques d'exclusion et de pauvreté. Il faut savoir qu'en qu qu 2016, presque 94% des allocataires du RSA vivaient sous le seuil de pauvreté. Alors, vous savez, le, le philosophe Henri Frédéric Amiel écrivait « La pauvreté... » Est plus qu'une privation, elle est une servitude. Et c'est donc avec cette réalité dans la tête, la réalité des personnes et de leur vie, de leur combat quotidien pour vivre, et je devrais même dire pour survivre, que nous avons eu à cœur tout au long de cette année qui vient de s'écouler de mener la concertation qui aboutit à la présentation de la stratégie départementale d'insertion ici en session. Alors permettez-moi évidemment de commencer par saluer et remercier les membres des groupes ressources RSA qui sont présents dans le public et qui assistent aujourd'hui à, à nos débats. Sachez que vous avez été notre boussole dans notre réflexion et que vous continuerez à le rester dans notre action c'est-à-dire dans la mise en œuvre concrète de cette stratégie départementale d'insertion que j'ai l'honneur et la fierté de vous présenter. Honneur et fierté, puisque lorsqu'on parle d'insertion, que ce soit de l'insertion sociale ou de l'insertion professionnelle, on parle d'abord de solidarité. Et bien sûr de solidarité d'abord au service de l'humain. Une solidarité évidemment au cœur de nos compétences départementales avec pour premier objectif de lutter contre la pauvreté sans jamais stigmatiser ces hommes et ces femmes, ni tous les professionnels d'ailleurs et les bénévoles qui les accompagnent pour leur permettre de relever la tête et d'envisager des perspectives d'avenir. Je ne crois pas inutile de rappeler cette évidence en préambule. À l'heure où la pertinence des aides sociales risque d'être mise en cause au plus haut sommet de l'État, où des propos parfois stigmatisants, voire on pourrait dire même dangereux pour la cohésion sociale sont tenus, et qui sont, je pense, aussi la preuve de la méconnaissance de ce qui se passe sur nos territoires. Cette connaissance de la mobilisation, de l'engagement et des initiatives nombreuses qui portent leurs fruits leur fruit, et qui contribuent à, au mieux-être de bon nombre de personnes dont le quotidien est bien difficile et quand la privation et la honte font partie du quotidien. Oui, notre ambition ici est bien de permettre à chacune et à chacun de trouver ou de retrouver son autonomie, sa capacité à s'émanciper des politiques publiques de soutien social, de s'émanciper au sens de retrouver tout simplement, enfin si j'ose dire, son pouvoir d'agir. Sur sa propre existence, sur son devenir. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les agents du département et plus spécialement les travailleurs sociaux qui souvent agissent dans l'ombre mais qui contribuent à, à donner, à redonner espoir et qui démêlent bien souvent des, des situations très compliquées. Alors toute notre démarche doit passer par un accès facilité, un accès facilité évidemment aux droits, un accès facilité à un emploi, un accès facilité à une formation, à une vie sociale, à la citoyenneté. Cette stratégie départementale d'insertion affiche de véritables ambitions et c'est ce que je vais désormais vous présenter. Alors vous le savez, notre département est un territoire dynamique, attractif, on le dit souvent. Depuis la reprise économique, ce sont des centaines d'emplois qui ont été créés sans compter les créations d'entreprises. Certains secteurs de la Loire-Atlantique connaissent même le plein emploi. Alors c'est une véritable chance bien sûr pour notre territoire, même si on le sait, certains secteurs d'activité peinent à recruter. Et pour autant, si nous avons assisté à une baisse du nombre d'allocataires du RSA tout au long de l'année 2017, nous constatons depuis quelques mois une stabilisation de ce nombre autour de 29 000 ménages allocataires du RSA. Alors, ce phénomène, évidemment, peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais au premier rang desquels, notre dynamisme démographique. Je le rappelle, et le président le dit souvent, ce sont 17 000 nouveaux habitants qui s'installent sur notre département chaque année. Alors, évidemment, parmi ces nouveaux arrivants, eh bien, nous avons des allocataires du RSA. Alors, ce phénomène de stagnation est bien sûr inacceptable pour les élus que nous sommes, et ce, d'autant que l'on peut penser que les personnes qui restent en recherche d'emploi, malgré la reprise, sont celles qui en sont les plus éloignées et qui cumulent souvent aussi plusieurs autres difficultés. Alors, comment faire pour que cette reprise économique profite à toutes et à tous en Loire-Atlantique, et que toutes et tous puissent prendre le train de la croissance. C'est un enjeu majeur que de ne laisser personne au bord de la route. C'est même la raison d'être de l'action départementale que de garantir la cohésion sociale, mais aussi la cohésion territoriale. Et nous ne pouvons évidemment pas y aboutir avec une dynamique économique à deux vitesses. C'est là euh, tout le sens des axes définis dans la stratégie départementale d'insertion et qui doit être déclinée sur les cinq prochaines années. Cette ambition, nous avons pu euh, vérifier tout au long de cette année de concertation que nous la partagions avec l'ensemble des partenaires qui se sont impliqués, notamment au sein du Conseil départemental d'insertion, et je les en remercie chaleureusement. Alors je salue particulièrement, moi aussi, euh, ceux et celles qui nous font le plaisir d'être présents euh, ce matin la directe, Pôle Emploi, la mission locale, la CAF, la CPAM, les représentantes de droits aux femmes, les partenaires économiques, les chambres consulaires, les représentants des structures d'insertion par l'activité économique, les collectivités, CCAS, les associations. Je remercie encore les allocataires du RSA. Une année de travail nous a donc collectivement réunis, d'abord pour un bilan partagé du précédent programme départemental d'insertion, mais aussi pour l'évaluation de l'efficience de certaines de nos actions. Je pense ici notamment aux actions de dynamisation. Nous avons également souhaité nous appuyer sur une connaissance plus fine du profil et des parcours des allocataires du, du RSA afin de mieux adapter les politiques publiques que nous menons et évidemment qui les concernent. Cela a donné lieu d'ailleurs à un numéro du magazine Repère, édité par le département et dont vous avez été destinataires tous. Et ces données apparaissent évidemment essentielles. Ce travail d'observation d'ailleurs sera pérennisé au sein d'un observatoire dédié et j'en suis particulièrement satisfaite. C'est sur l'ensemble de ces bases que le travail de concertation a ensuite été mené sous la forme de journées de groupes ressources RSA, sous la forme des ateliers CLI, de journées thématiques territoriales, de rencontres bilatérales avec les partenaires, mais aussi avec les vice-présidents du département. Un questionnaire en ligne a également été mis en, à destination de tous ceux qui voulaient participer à, à, cette, à cette concertation. Donc tout a été mis en œuvre pour ouvrir le débat et permettre à chacun et à chacune, que je remercie à nouveau devant vous ce matin, d'apporter sa pierre, son expérience, son expertise, ses propositions au bénéfice de tous. Je souhaiterais également vous remercier, vous aussi, chers collègues, pour votre implication dans ce chantier. Vous, les présidents de CLI vous les, les vice-présidents du département et vous tous les conseillers départementaux. Votre mobilisation démontre à quel point cette question irrigue les politiques publiques départementales, à quel point elle fait partie de notre ADN, de notre collectivité et à quel point nous réussissons collectivement à le faire vivre de manière transversale au bénéfice des personnes accompagnées. Donc fort de ce solide travail en commun, la stratégie départementale d'insertion que je vous présente ce matin repose sur plusieurs convictions fortes. La première, qui est une conviction centrale et qui guide toute notre action, c'est que personne ne doit être considéré comme définitivement inemployable. C'est important, c'est fondamental. Cette conviction est bien le fil rouge de ce texte qui place la confiance dans les compétences, dans le potentiel, dans les aptitudes des personnes. Il faut croire dans la capacité de chacun et de chacune à rebondir au cœur des actions. Pour certains, ça peut aller vite. Pour d'autres, il faudra peut-être un peu plus de temps. C'est bien cette notion de parcours, parcours de vie. De vie professionnelle, de vie sociale, un parcours non linéaire pour personne d'entre nous d'ailleurs, qu'il nous faut accompagner. Et en disant cela, c'est la capacité des personnes à agir en autonomie pour elles-mêmes qui est restaurée. C'est le développement de leur pouvoir d'agir, la possibilité qui leur est donnée d'être actrice de leur vie et de leur parcours qui est bien au centre de notre mobilisation. Ce qui nous amène à la deuxième et très forte conviction de cette stratégie. Chaque personne accompagnée par le département et qui est confrontée à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle doit pouvoir accéder à une intervention de proximité qui soit personnalisée et réactive. Il s'agit là d'un enjeu évidemment de cohésion sociale et territoriale auquel le département est très attaché. Et cette intervention, elle doit agir simultanément à plusieurs niveaux. Il nous faut proposer un double accompagnement sur plusieurs dimensions. Évidemment, un accompagnement aux personnes, mais aussi un accompagnement aux employeurs en s'appuyant sur leurs besoins et sur leurs attentes. Autre dimension, c'est l'accompagnement professionnel qui, lui, doit pouvoir aussi être étayé par un accompagnement social selon les besoins qui sont identifiés. Et enfin, il nous faut combiner davantage les interventions individuelles avec des actions collectives afin de créer des dynamiques, de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur l'estime de soi, sur la relation à l'autre et lutter ainsi contre l'isolement et contre l'exclusion. Pour cela, l'action partenariale est bien évidemment indispensable. C'est une autre conviction portée par cette stratégie. Il nous faut agir collectivement, de manière coordonnée, car en fait, nous sommes tous concernés. Une des autres convictions fortes portées par cette stratégie, c'est que la mise en activité dynamise le parcours d'insertion et que cette mise en activité doit être recherchée le plus tôt possible lorsque les personnes intègrent le dispositif RSA. Mais j'y reviendrai. Partant de ce socle de conviction, notre stratégie départementale d'insertion prend résolument appui sur deux jambes, deux grands projets de la collectivité déjà engagés et sur lesquels elle repose. Le premier que nous avons adopté ici même en session en octobre 2016, c'est, vous le savez, l'engagement départemental pour l'emploi local, qui a pour ambition, je vous le rappelle, de favoriser les passerelles entre les allocataires du RSA et les entreprises du secteur marchand. L'autre grand projet, c'est celui de la rénovation de l'action sociale de proximité, qui se déploie aujourd'hui en préfiguration au sein de sept espaces départementaux des solidarités avec un déploiement prévu donc en 2009 sur l'ensemble des territoires et qui a pour objectif principal de mettre en place un accueil social universel qui permettra à chaque personne d'avoir un premier niveau d'information d'orientation qui soit le même quel que soit le lieu où la personne se présente. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer les élus des départementaux et les élus des territoires concernés au cours de ces dernières semaines. Alors, à qui s'adresse cette stratégie départementale d'insertion Au travers de cette stratégie, le département, évidemment, réaffirme sa mission première, sa mission de solidarité en direction des personnes qui sont confrontées à la précarité au premier rang desquels évidemment les allocataires du RSA, mais aussi les personnes qui ont vocation à s'inscrire dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle et dont les difficultés justifient qu'on leur accorde une attention particulière. Il s'agit bien sûr des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, des gens du voyage, des femmes victimes de violences. Et pourquoi une stratégie et non un programme départemental d'insertion Eh bien parce que nous souhaitons que ce document de référence soit un document prospectif pour les cinq prochaines années, qui soit pragmatique, opérationnel, mais aussi évolutif et proactif. Et cette stratégie vraiment est une démarche vivante et qui intègre ses propres mécanismes d'actualisation. Alors cette stratégie, elle se décline en trois axes principaux. Le premier axe, il vise à améliorer la qualité de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement professionnel et social des personnes dans leur parcours d'insertion. plusieurs chantiers ont été définis, notamment un enjeu sur les orientations à viser sociales et professionnelles. Avec une adaptation des critères et des processus d'orientation des personnes. Cela concerne également la structuration des référentiels d'accompagnement social et professionnel, puisque toutes ces actions doivent contribuer d'abord à lutter contre le non-recours au droit, puisque je vous rappelle qu'on estime au niveau national qu'entre 30 et 40 des personnes qui auraient droit au RSA n'en font pas la demande. Le second axe majeur de cette stratégie est d'assurer le plus rapidement possible une reprise d'activité, une mise en situation professionnelle, une mise en emploi et à faciliter l'accès à la formation, bref, l'activité d'abord. Il s'agit ici de proposer un accompagnement vers l'emploi, mais également dans l'emploi pour sécuriser les parcours pour les personnes, mais aussi pour leurs employeurs. Vous le savez, contrairement aux qualifications, les compétences existent guère en tant que telles. Elles se construisent le plus souvent lors de l'emploi, dans l'entreprise. Or, l'un des paradoxes de l'employabilité est en effet que dans bien des cas, c'est l'insertion qui crée l'employabilité. Donc aujourd'hui, on sait bien, il ne s'agit pas de chercher à faire rentrer dans le moule des emplois des individus qui seraient prêts à l'emploi, puisque de toute façon, les moules sont de plus en plus mouvants. Il s'agit bien d'apprendre à gérer, en fait, les capacités mutuelles d'inflexion, de développement et de changement pour les personnes, mais aussi pour les employeurs. En résumé, c'est de la gestion de la rencontre qu'il est question, et en particulier, d'être prêts réciproquement à gérer les opportunités rencontrées, voire les opportunités provoquées. Et c'est bien, bien là que se situe la place incontournable des politiques publiques d'insertion et d'emploi. Cela nécessitera évidemment de poursuivre et d'amplifier les actions déjà engagées depuis l'engagement départemental pour l'emploi local, en mobilisant les réseaux d'employeurs, mais aussi en prolongeant notre soutien. Aux structures d'insertion par l'activité économique et le développement de la commande publique solidaire. Je pense aussi évidemment à l'accès désormais possible des allocataires du RSA au contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Je vous le rappelle que c'était une démarche qui avait été initiée par la Loire-Atlantique et qui est aujourd'hui étendue à l'ensemble du territoire national dans le cadre de la loi. Car en effet, l'alternance est un véritable levier pour s'inscrire durablement dans l'emploi. Et nous suivrons évidemment avec attention la mise en place de la réforme de l'apprentissage et de la formation continue afin qu'elle profite aux personnes concernées par cette stratégie. Alors des contacts ont déjà eu lieu en ce sens avec la région et avec Pôle emploi ici présent. Je pense aussi évidemment à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée que la commune de Pontchâteau prépare pour une mise en place, je l'espère, Très rapide. Ces solutions nouvelles, ces innovations sociales, comme on dit, sont d'autant plus importantes qu'elles correspondent réellement à la philosophie de notre action politique en matière d'emploi. Considérer que l'activité contribue à la dignité des personnes, à leur affranchissement, à leur prise d'autonomie, à leur émancipation, qu'elles leur permettent de retrouver une utilité sociale et par la même une véritable place dans notre société. Enfin, le troisième axe de la stratégie vise à la résolution des freins à l'emploi tels que les problèmes de mobilité, les problèmes de garde d'enfants, d'accès au numérique ou de santé. D'autre part, les aides à l'insertion seront simplifiées. Un nouveau référentiel vous est d'ailleurs proposé en annexe qui suppose une mise à jour du règlement départemental d'aide sociale. Alors pour lever ces freins de nombreuses pistes sont proposées voire engagées pour apporter collectivement des réponses à ces difficultés. J'insiste sur l'aspect collectif de ces réponses car ce n'est évidemment pas le département seul qui dispose de toutes les clés sur l'ensemble de ces sujets. Car je l'ai souvent dit et je le redis, nous n'avons pas la prétention de pouvoir ni même de vouloir tout réaliser tout seul. En revanche, c'est bien au département d'enclencher cette dynamique de travail en commun en tant que chef de file de l'insertion. Ces collaboration devra donc être poursuivies, par exemple, avec l'Union départementale des mobilités solidaires, avec la CAF pour le tiers payant aux assistantes maternelles, avec l'ARS et la GFIP pour les problèmes de santé, ou avec l'ensemble des réseaux qui luttent contre la fracture numérique pour ce qui concerne le défi, le grand défi de la dématérialisation. Voyez, pour ces trois axes, la méthode est claire. Il faut oser, oser le pas de côté, oser les, les innovations, les changements de pratiques professionnelles, et je pense particulièrement aux actions collectives. Oser la mise en activité rapide, oser faire confiance, oser faire ensemble. En cela, la stratégie départementale a également pour ambition de mettre en musique et en dynamique les différents intervenants à améliorer le travail de coordination des acteurs de l'emploi et de l'insertion. En un mot, formaliser le rôle de chef de file de, du département, non pas en hégémonie, mais en assemblée, avec comme unique objectif d'accompagner au mieux les personnes dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Alors, on le sait tous, hein, l'insertion est à la croisée de nombreuses politiques publiques portés par des acteurs différents, tous aussi légitimes les uns que les autres, l'État, les organismes de sécurité sociale, le service public de l'emploi, la région, les autres collectivités locales, etc. Et c'est bien pour cette raison que le quatrième axe de la stratégie est consacré aux questions de gouvernance, pour contribuer à une meilleure articulation des interventions de chacun pour rendre plus lisibles pour les personnes les actions des uns et des autres, et bien sûr, pour les rendre complémentaires et non concurrentes. Tous ici, nous nous appuyons sur de nombreux partenaires ou, partena ou prestataires sur les territoires. Tous, nous activons différents outils financiers et nous animons chacun des instances de concertation et de suivi. Tous ici, nous concourons aux politiques d'insertion, mais chacun le fait selon ses méthodes et des objets différents. Ces instances, elles existent à l'échelle départementale comme à l'échelle infradépartementale, selon des périmètres divers, les bassins d'emploi, les EPCI, demain, les cléphopes, les CDFOP. Or, on peut constater sur le terrain qu'elles sont souvent composées des mêmes membres. Entre nous... On peut même se le dire qu'il y a parfois une confusion entre nos rôles respectifs. Alors, une des ambitions de cette stratégie départementale d'insertion est de contribuer à favoriser une meilleure coordination. Et la concertation de ces derniers mois a mis en exergue cet enjeu de dialogue, d'interconnaissance entre les différents partenaires à l'échelle départementale et des bassins de vie. À présent, il s'agira de s'assurer de la mise en œuvre opérationnelle des axes prioritaires qui, sont définis, qui ont été définis ensemble dans cette stratégie sur le terrain via une véritable animation territoriale des politiques d'insertion et d'action direct des personnes concernées. Alors, quand on présente une politique si ambitieuse, la question évidemment qui arrive aussitôt est la question des moyens. Avons-nous... Aurons-nous le moyen de nos ambitions Eh bien, juste un petit rappel. En 2018, le département a adopté un budget de 192 millions d'euros au titre de la politique insertion et action sociale de proximité. En versant le revenu de solidarité active qui représente, je le rappelle, un effort financier au minimum de 163 millions d'euros, qui ne sont compensés que très partiellement par l'État, le département assume de contribuer à opérer cet ultime filet de sécurité qui doit éviter aux personnes de tomber dans la grande pauvreté. 29 millions sont mobilisés pour financer les actions permettant la mise en œuvre des parcours et donc de cette stratégie. Plus de 50% de ces actions contribuent à la mise en emploi. 21% sont fléchés sur l'accompagnement personnalisé. Et 29% sert à lever les freins pour faciliter la mise en œuvre des parcours. Le fonds d'appui aux politiques d'insertion, ce qu'on appelle couramment ici le FAPI, est un des outils précieux de mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie départementale d'insertion. Ce fonds, dont notre, dont notre département a bénéficié en 2017 et dont il bénéficie encore en 2018 et 2019, dans le cadre d'un conventionnement avec l'État, nous engage à mettre en place des actions nouvelles ou à renforcer des actions existantes permettant de renforcer les coopérations entre les acteurs de l'insertion. Vous avez d'ailleurs à vous prononcer aujourd'hui sur le rapport d'exécution de ce fonds pour l'année 2017. À sa lecture, vous avez pu constater que les actions engagées sont en totale cohérence avec la stratégie départementale d'insertion qui vous est présentée aujourd'hui. Je pense notamment à la création d'un fonds d'innovation sociale que nous avons souhaité mettre en place à hauteur de 200 000 euros pour accompagner les expérimentations et le lancement de projets nouveaux. Ce fonds nous permettra de développer de nouvelles actions dès cette année, particulièrement sur les axes forts engagés par la stratégie départementale d'insertion, que ce soit en termes de mobilité, d'usage numérique, de garde d'enfants ou d'accès aux droits. Et de lutte contre l'exclusion à destination des plus fragiles. Une attention particulière pour les initiatives locales sera portée, à l'instar du projet 5 Ponts, qui est porté donc par l'association Les Ovibes, et qui regroupera sur un seul site un accueil de jour, une halte de nuit et un centre d'hébergement d'urgence. Ce projet permettra de donner corps au parcours résidentiel au profit des personnes en très grande précarité. Une autorisation de programme de 300 000 euros avait été adoptée en décembre dernier lors du BP. Il s'agit aujourd'hui d'affecter cette somme aux eaux vives en investissement et de voter la répartition de ces crédits sur les trois ans à venir. En conclusion, si on veut résumer les quatre enjeux clés de cette stratégie, c'est un, Garantir évidemment l'accès aux droits, développer le pouvoir d'agir des personnes, sécuriser le, le, les parcours, et j'en profite. Pour rappeler que le RSA est un droit et que vivre avec 450 euros par mois, ça n'a jamais fait rêver personne. Deuxième enjeu, réunir les, condi les conditions d'accès et de maintien en emploi durables en affirmant la priorité de l'emploi et de la mise en activité. Troisième enjeu, adapter notre offre d'insertion aux nouveaux enjeux par l'expérimentation et l'innovation. Et enfin, favoriser la coordination des politiques d'insertion. Avec, et je le rappelle, toujours cette conviction, personne ne doit être considéré comme définitivement inemployable. Merci. Merci. La parole à Monsieur Bernard Douot le Président, chers collègues. L'insertion est plus qu'un simple objectif. Il s'agit du moyen de lutter efficacement contre la précarité et l'exclusion. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du groupe Démocratie 44, nous considérons que l'insertion socioprofessionnelle doit être la priorité absolue de notre collectivité, priorité qui doit se traduire dans le budget départemental. Notre conviction, c'est que le travail, sous quelque forme qu'il soit, permet de se reconnecter à la société, qu'il est vecteur d'émancipation, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Force est de constater que dans nos publics prioritaires, qu'ils perçoivent ou non le RSA, nous sommes confrontés à des profils d'une grande diversité. La réponse ne peut donc pas être uniforme. Elle est nécessairement adaptée à chacune et chacun. Deux points essentiels nous paraissent devoir être renforcés dans la stratégie que, nous, que vous nous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, nous notons le rôle essentiel joué par les structures d'insertion, chantiers et entreprises d'insertion, associations intermédiaires. Ces structures apportent une réponse et un accompagnement personnalisé offrent un emploi formateur qui débouche sur des propositions concrètes à son issue. Tout d'abord, nous notons. Enfin, ces structures apportent une réponse. Excusez-moi, j'ai été perturbé par le micro. Il nous paraît donc indispensable, après la diminution de la participation de l'État, que le département renforce son soutien financier à ces structures. Je rappelle que le budget 2018 de soutien aux structures d'insertion est en diminution de près de 9% par rapport à 2016. Nous tenons là une des clés de la réussite. Le deuxième sujet sur lequel nous devons nous engager plus fortement concerne la mise en place de formations tournées vers les métiers en tension. Dans les domaines de compétences, nous sommes confrontés à des pénuries actuelles ou à venir d'hommes et de femmes. Je pense naturellement au personnel qui travaille dans les EHPAD ou aux assistantes maternelles. Nous pourrions organiser, en nous appuyant sur nos agents, des formations à destination d'allocataires du RSA pour les former à ces métiers en tension qui offrent des débouchés assurés sur le territoire. Une formation spécifique a été lancée sur la fibre optique, modèle qui peut être appliqué à d'autres métiers. Car d'autres secteurs d'activité sont en tension. Je pense au maraîchage, aux métiers de bouche, aux menuisiers notamment. Sur ces sujets, il nous faut travailler avec la Chambre des métiers, avec la région, avec les professionnels du secteur pour trouver à attirer les jeunes et les publics éloignés de l'emploi. Ces métiers offrent de formidables réussites professionnelles de très beaux parcours et des rémunérations dont certains sous-estiment le niveau. Enfin, je crois que nous pourrions nous poser la question de la mise en place d'une forme de contrepartie sous une forme volontaire au RSA. Non pas dans une logique stigmatisante, mais au contraire, avec comme objectif de contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire. Nous pourrions mettre en place un dispositif reposant sur le mode du volontariat en nouant un partenariat avec des associations de Loire-Atlantique, dont on sait à la fois combien leur richesse est utile au territoire et combien elles peinent à recruter en raison de moyens financiers limités et de la suppression pour partie des contrats aidés. Les acteurs associatifs peuvent, je le crois sincèrement, apporter beaucoup à des personnes éloignées de l'emploi en termes de compétences, de réseaux et de confiance en soi. Ce dispositif devrait naturellement rester compatible avec la recherche d'un emploi. Nous pourrions ainsi recenser les besoins des associations et inciter les allocataires en lien avec leurs projets professionnels d'insertion à les rejoindre. Sur ces sujets, il faut, je crois, sortir de posture et réussir à trouver les meilleures réponses aux besoins de nos publics prioritaires. Et nous restons persuadés que rien n'est plus formateur que l'expérience concrète. Et que rien n'est plus positif d'un point de vue de l'insertion que le travail. Je tiens à saluer également ce matin les membres du, bureau, de, du groupe Ressources qui sont là ce matin, groupe Ressources que nous côtoyons régulièrement en CLI et les assurons de notre soutien. Je vous remercie. Madame Marcel Chapeau. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. En complément de l'intervention de mon collègue Bernard Dehaut, je souhaite apporter un éclairage sur un autre aspect auquel nous sommes attachés l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. La Loire-Atlantique compte, vous l'avez dit, 29 000 allocataires du RSA au 1er janvier 2018, chiffre en progression malgré l'amélioration de la situation économique et certes de l'augmentation des habitants, vous l'avez rappelé. Si 50% des allocataires du RSA retrouvent un emploi dans l'année, plus de 7000 d'entre eux ne bénéficient d'aucun accompagnement social ou socio Or, chacun mesure bien ici combien l'accompagnement est une des conditions du retour à l'emploi. À ce titre, si je me réfère, à une étude de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé, le département de Loire-Atlantique serait parmi les départements les moins actifs dans la réinsertion des bénéficiaires du RSA. Cette étude démontre que la part des allocataires orientés vers un organisme d'accompagnement vers l'insertion socioprofessionnelle est inférieure de 7 points à la moyenne. La part des parcours d'insertion professionnelle ou socioprofessionnelle est inférieure de plus de 8 points à la moyenne au profit d'une démarche d'insertion purement sociale. Et parmi les allocataires suivis par un référent unique du département, la part de ceux qui ont signé un contrat d'engagement réciproque est inférieure de 16 points à la moyenne des départements. Donc la mar les marges de progrès sont donc importantes. Un accès facilité, vous l'avez rappelé. Oui, il nous faut impérativement mettre en œuvre des procédures simples, lisibles, pour ne laisser personne au bord de la route. Et ça, vous l'avez rappelé. Dans le même temps, les politiques d'insertion reposent sur des multiples interlocuteurs dont les missions et les rôles respectifs ne sont pas toujours bien identifiés. Unité emploi du département, pôle emploi, centres médico-sociaux, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, commission locale d'insertion, il faut oui, impérativement clarifier le rôle de chacun, assurer des coopérations efficaces, faire en sorte que ces structures se parlent et agissent de manière combinée coordonnées pour une plus grande efficacité. La création des espaces départementaux des solidarités est une première étape que nous soutenons. Même si nous n'en sommes qu'à l'étape de la préfiguration, je rappelle la nécessité d'associer à ces évolutions les élus communaux et intercommunaux en lien avec leur CCAS. C'est commencé et nous, nous en sommes ravis. Qui sont en prise directe et quotidienne avec nos concitoyens pour que l'information soit partagée et connue de tous. L'annonce des modifications du fonctionnement et du périmètre des clés va dans le même sens. Je rappelle nos demandes la, la nécessaire cohérence du découpage des clés avec. Les décou le découpage cantonal ou intercommunal en tenant compte bien évidemment des bassins de vie et la nécessité d'une meilleure évaluation bilan des aides attribuées. Dans le même ordre d'idées, il nous paraîtrait utile de lancer en interne un cycle de formation de nos agents aux métiers spécifiques de l'accompagnement professionnel. Nous pourrions... Également, nous inspirer des démarches et projets lancés dans d'autres départements en lançant un appel à projets intitulé Action expérimentale et innovante pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA comme l'a fait le Val d'Oise, en développant des partenariats et des parrainages entre entreprises et allocataires du RSA comme dans le Morbihan ou en créant une agence d'insertion comme dans les Yvelines pour remettre sur le marché du travail les bénéficiaires du RSA, les chômeurs de longue durée et les jeunes. Avec des résultats concrets, une diminution de 10% du nombre de bénéficiaires du RSA. Enfin, se préoccuper des mobilités est essentiel et même primordial pour retrouver un emploi. La stratégie dans son chantier 14 prévoit des propositions qui bien que nombreuses ne présentent pas de solutions réellement concrètes. Pour résumer, la stratégie départementale d'insertion nous semble aller dans le bon sens et nous la voterons naturellement s'agissant d'une compétence obligatoire. Mais nous considérons qu'elle peut être complétée d'un certain nombre de mesures que nous avons proposé ce matin et qu'elle doit sans cesse évoluer en proposant des actions innovantes et expérimentales vous l'avez dit et répété il faut oser c'est dans le sens c'est le sens de nos interventions et de nos propositions nous espérons qu'elles susciteront chez vous un intérêt mis au service de nos concitoyens en difficulté je vous remercie la parole à Samuel Landier. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci Liliane de cette présentation qui vient nous rappeler comment notre département de l'Orient-Atlantique assure et assume son rôle de chef de file de l'action sociale. Après l'engagement départemental pour l'emploi, après la réflexion sur la rénovation de l'action sociale de proximité que tu as rappelée, après les initiatives nombreuses menées avec tous nos partenaires au long de l'année, cette stratégie départementale d'insertion vient guider l'ensemble de nos actions en faveur des personnes les plus fragiles dans le département et notamment les locataires du RSA. À la CLI du Sud-Loire, que j'ai le plaisir d'animer, nous avons été associés à cette concertation. Notamment à travers différents ateliers, dont l'un sur l'illettrisme, un autre sur l'accès au droit et une action sur la, sur la reformulation des écrits. Dans ce cadre très concret et à travers la lecture des situations particulièrement complexes qui nous sont présentées dans les commissions locales d'insertion, nous constatons bien sûr qu'il reste du chemin à parcourir pour apporter une réponse à toutes celles et à tous ceux qui restent aujourd'hui éloignés de l'emploi ou d'une activité. Pour cela, vous le savez, le département ne travaille pas seul, et tu l'as rappelé. C'est un engagement collectif. Notre soutien s'appuie spécifiquement sur les partenaires de l'insertion, parmi lesquels les structures d'insertion par l'activité économique. Au quotidien, elles sont là pour que les personnes se remobilisent sur leurs projets et qu'elles retrouvent une place dans la société. Vous me permettrez de citer deux associations. On a dit qu'il fallait oser. Et bien dans le sud-ouest, une association bien connue, Oser Forêt Vivante, vient... Donc, d'inaugurer ces nouveaux locaux, voilà un mois. Lors de cette inauguration, j'ai eu l'occasion de les remercier pour leur travail du quotidien et de leur dire tout le soutien du département. Oser, c'est également accompagner les personnes vers un parcours, vers un trajet. Et voilà la deuxième association que je souhaite aussi saluer ici, qui est présente ce matin. Parce que dans la démarche de ce projet associatif de trajet, il y a le contrat et il y a le projet. Voilà comment est né le nom de cette association, qui n'est pas le fruit de hasard, mais bien d'une réflexion au quotidien. Par ailleurs, et vous savez que j'y suis attaché, le rôle de la commande publique solidaire va amener le département à identifier de nouveaux vecteurs d'achat public pour que les personnes puissent s'engager dans cette démarche d'insertion, en allant bien sûr au-delà de la clause d'insertion mise en œuvre. Donc je souhaite moi insister sur cette importance de l'activité économique et de rappeler que l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique sont des acteurs à part entière du département pour... le développement de nos territoires. La parole à Gasien Meunier. La passe au rouge. Merci. Merci, Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. La Loire-Atlantique pourrait apparaître comme un territoire privilégié en France, un territoire dynamique qui accueille chaque année près de 17 000 nouveaux habitants, ça a été dit et redit. Et qui attire de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus, qui créent des emplois et qui bénéficient d'une dynamique économique très positive. Et pourtant, le taux de pauvreté s'établit dans notre département à 10%, malgré l'amélioration de la situation économique, comme cela a été rappelé. Et dans le même temps, ce n'est pas à la moindre des contradictions. Des milliers d'emplois ne trouvent pas preneur dans les entreprises de nos communes. Chacun aura remarqué, ce matin encore, en nous rendant à. Au département, des véhicules utilitaires euh, d'entreprises, d'artisans, euh, portant l'inscription, recrutons, cherchons sans employé, euh, téléphoner A ou téléphoner O. Tout ceci témoigne de l'échec d'une politique nationale menée sans discernement depuis plus de 30 ans. Cette situation doit obliger l'État et le gouvernement, non pas à tenir des propos euh, démagogiques, sur le coût des prestations sociales, mais bien à décentraliser davantage les politiques économiques et sociales. Car de nombreuses questions pourraient être posées sur l'efficacité de Pôle emploi. Je ne mets pas en cause, Madame la Directrice, ni votre engagement, ni celui de vos agents, mais c'est bien le fonctionnement de la structure qui pose problème aujourd'hui, euh, devenue l'administration de gestion des droits. Sur la dévalorisation des filières professionnelles, sur l'abandon d'une politique. Industrielle ambitieuse, sur la dévalorisation de l'artisanat, sur les politiques éducatives menées dans notre pays, centrées principalement sur les filières générales, sur le rôle de l'État stratège. J'en arrête là, mais je ne répondrai qu'à une seule question. L'exclusion d'une partie de nos concitoyens du marché du travail n'est pas inéluctable. Nous disposons dans nos cantons, dans nos communes, dans nos entreprises, chez nos concitoyens de richesses exceptionnelles. Et j'ai une conviction, au vu de cela, que l'État ne peut pas tout. L'État doit fixer un nouveau cap, faire évoluer les mentalités, revaloriser les filières professionnelles. Mais l'État doit aussi nous faire confiance, à nous, départements comme à la région dans le domaine de l'apprentissage, départements qui connaissons les allocataires, qui disposons des outils, qui sommes en capacité d'innover et d'expérimenter dans la lutte contre la précarité et l'exclusion. Dans la mise en œuvre de stratégies d'insertion avec nos partenaires, il faut avancer pour que l'État s'occupe des causes de la situation économique actuelle et y apporter des réponses que nous, en local, en proximité, nous nous occupions de réparer autant que faire se peut les conséquences des décisions passées. En somme, il faut redonner tout son sens à la décentralisation. Et pour terminer, je voudrais saluer effectivement l'engagement de Madame la vice-présidente Liliane Jean. Et nous voudrions bien sûr, à, à travers euh, ce vote, comme l'a rappelé euh, notre collègue Marcel Chapeau, euh, ce vote en faveur de cette délibération, soutenir votre action. Merci. La parole à Catherine Touchefeu. Merci. Oui, quelques, quelques mots parce que je pense que la délibération qui vous est proposée montre bien le travail de fond qui est engagé et qui, euh, euh, les orientations générales qui sont proposées pour que chacun et chacune puisse se sentir partie prenante à, à part entière de notre société. Moi, je voudrais juste insister sur trois points. Le premier... C'est sur l'axe visant à favoriser l'accès au droit, parce que le RSA, c'est un droit, ce n'est pas une aumône. Et les propositions de notre collègue euh, parlant de contrepartie et une, un, un positionnement qui fait changer complètement euh, la démarche. Euh, nous savons par ailleurs, mais c'est une, complètement une autre question, qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéficiaires du RSA qui euh, sont engagés dans des associations. Euh, mais euh, la contrepartie au RSA, c'est une façon à la fois de stigmatiser, il ne suffit pas de dire que ça ne va pas être stigmatisant, mais de stigmatiser et puis de changer complètement de positionnement et de vision de ce qu'est ce, qu ce droit. Mais c'est un droit qui n'est pas toujours connu et c'est vrai, euh, et on me rappelait tout à l'heure le, le taux de non-recours. Et je crois que favoriser un accueil social universel de premier niveau est tout à fait positif. Mais pour ce, que cela soit pleinement utile, il faudrait aussi que l'on ne donne pas au plus haut niveau de l'État l'impression que si les allocataires sont dans cette situation, c'est bien de leur fait. La formule si pleine de mépris, auquel plusieurs ont déjà fait allusion du pognon dingue pour les minimas sociaux, est non seulement humainement inacceptable, mais également particulièrement mensongère. Parce que s'il y a du pognon dingue dépensé, c'est aujourd'hui en faveur des plus riches. Quasi-suppression d'impôt sur la fortune, baisse massive de l'impôt sur le revenu du capital, soit au bas mot 5 milliards de rentrée fiscale en moins, baisse de l'impôt sur les sociétés, 11 milliards à terme, suppression d'exit tax qui coûtera 6 milliards d'euros, la liste des mesures au profit des plus riches est longue. Malheureusement, celle s'attaquant aux droits des salariés et parmi eux les plus pauvres l'est aussi particulièrement. Ça a commencé par l'APL. Ça s'égrène au fur des semaines et des mois. La dernièrement, c'est encore des attaques contre la pension de réversion. Euh, Darmanin nous disait qu'il ne savait pas combien il y avait d'aide, mais qu'il y en avait trop. Euh, un mot également sur... Euh, le choix d'une démarche départementale de recherche et d'observation. Je crois qu'elle est très utile pour s'adapter aux situations réelles, mais aussi pour sortir des a priori et des représentations. Parce que le RSA n'est pas une position figée. Pour beaucoup, même les situations peuvent varier rapidement. Et cela ne peut pas être analysé sans les mettre en lien avec la situation de l'emploi. Car oui, il y a des créations d'emplois. C'est à saluer. Oui, la Loire Atlantique connaît un chômage moins fort que dans le reste du pays. Mais il y a une réalité qui reste, c'est qu'aujourd'hui, la part de la population active au chômage est plus importante qu'en 2008, avant le début de la crise. L'effet combiné à la fois de la dynamique démographique et l'effet du retard de l'âge de la retraite fait que le chômage touchait encore en 2017 9,4% de la population active alors qu'il en touchait 7,1 en 2008. Ça, c'est une réalité. D'autre part, cet emploi s'est dégradé. Les temps partiels et les CDD ont augmenté. Et les personnes inscrites à Pôle Emploi en catégorie B et C, elles ont travaillé quelques heures dans le mois, qui étaient 1 million en 2008, sont 2,2 millions en 2017. Donc, on ne peut pas faire... Euh, abstraction. De cette situation, et quand il n'y a pas d'emploi ou que l'emploi est précarisé, je trouve que c'est une violence particulière vis-à-vis -vis des personnes que de les renvoyer à leur responsabilité personnelle. Et puis enfin, pour terminer sur un mot sur les entrées diverses aussi sur le chemin d'insertion et le rôle que peuvent jouer nos différentes politiques publiques quand elles s'articulent à la fois des démarches générales et des actions très concrètes. Eh bien, pour faire le lien aussi avec ce qui se passe au niveau de la culture parce que c'est un, un, un des vecteurs parmi, parmi beaucoup d'autres je crois qu'on peut citer l'exemple du Grand T qui avait en lien avec euh, le spectacle Stadium a développé un projet euh, jour de foot dans le quartier de la Bottière hein, dans le cadre d'un jumelage avec ce quartier politique de la ville c'était une véritable aventure collective il y a euh, 176 personnes qui sont venues dans le cadre des places solidaires qui sont venues voir ce, voir ce spectacle-là. Et puis, parmi celles qui ont travaillé pour créer un baby-foot, deux baby-foot d'ailleurs mis à disposition dans le Grand T, un baby-foot construit avec un artiste, une démarche particulière, ben, je pense que quand on entendait le témoignage d'un des participants nous dire combien cette démarche lui avait permis de reprendre confiance en soi. Et puis, enfin, de reprendre confiance en lui, et puis euh, lui avait permis aussi euh, de retrouver des gestes utiles qui, pour justement pouvoir envisager son avenir complètement autrement, euh, bah, je crois que c'est quelque chose qui nous donne euh, qui nous donne envie de continuer dans ces démarches-là, de les de de les organiser, de les adapter à chaque fois. Et de, pour ma part, je pense que continuer à creuser ce sillon du lien culture-social est aussi quelque chose de très important si on y, et aura des répercussions sur l'insertion des uns et des autres. La parole à Bernard Gagné. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je suis très satisfait que notre collectivité s'engage plus en avant encore en faveur de, de, la ré, de la réinsertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi grâce justement à la mise en place de cette nouvelle stratégie départementale qui dont l'objectif est de fédérer bien sûr l'ensemble des acteurs de l'insertion et qui rapproche aussi les demandeurs d'emploi de l'entreprise, donc du secteur économique. Mais il est vrai que le département, en tant que collectivité, a aussi son rôle à remplir dans, dans cette mission d'insertion et dans cette mission d'activité professionnelle. Et là, je, voulais, je voudrais parler bien sûr du marché de déploiement de la fibre optique qui génère au total 65 000 heures d'insertion sociale et professionnelle. Ça répond d'ailleurs à une pénurie, c'est vrai, de main-d'œuvre dans ce secteur, qui est un nouveau métier, mais pénurie déjà de, de main-d'œuvre, avec des marchés qui sont de plus en plus en développement dans notre département, mais aussi dans d'autres départements et dans la France entière. Donc, pour cela, un plateau technique a été créé par l'AFPA, donc l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et parallèlement, le département a cherché à ce que les personnes éloignées de l'emploi, et plus particulièrement des allocataires du RSA puissent être formés au métier de cobleur. Alors, dans ce cadre-là, dans ce premier stage, il y a 10 stagiaires. C'est vrai que 2 deux, deux sont allocataires du RSA. Cette formation a débuté en février. Nous souhaiterions, bien sûr, qu'il y ait encore plus de ces allocataires du RSA qui puissent être dans, cette, dans ces formations. Et c'est l'unité emploi qui les accompagne pour qu'ils suivent, qu suivent la formation. D'ailleurs, nos contacts aussi récents, et la semaine dernière, avec mon collègue Jérôme Alemani, nous rencontrions les sous-traitants de la, du déploiement de la fibre, et nous les incitons aussi, finalement, en plus de, ce, de cette mise en place de stade, ce plateau technique, à pouvoir, c'est vrai, embaucher dans le cadre de l'apprentissage, sur des métiers très divers, d'ailleurs, et, et aussi de niveaux très différents. Mais en plus de cette dynamique, dont bien sûr je souhaite l'amplification, il est également important de souligner le rôle que joue le développement numérique dans la lutte contre la fracture sociale, en particulier dans les territoires ruraux. Et comme le souligne le rapport, l'accessibilité, c'est vrai, à l'information et aux droits est désormais requestionnée avec la montée en puissance du numérique. De nombreux organismes publics ont lancé des démarches de dématérialisation, mais qui ont un impact non négligeable sur l'accès aux droits des allocataires. Cette révolution des technologies a indubitablement des effets positifs, notamment via l'émergence de nouvelles plateformes et de solutions innovantes accessibles en ligne qui visent à garantir une simplification des démarches à tout à chacun et à tout instant. Mais pour éviter tous ces effets pervers, elle nécessite également en parallèle une montée en puissance des infrastructures numériques sur les territoires pour que chacun Puissent s'approprier les outils et ceci fait l'objet, c'est vrai, d'un des axes du déploiement sur l'aspect de la solidarité, d'aller donc dans toutes les zones du territoire départemental. Donc c'est également donc dans cette logique que le département a engagé ce plan ambitieux en faveur du haut et du trop haut débit pour toutes et tous en Loire-Atlantique. La parole à Stéphane Baugé. Oui. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais dire à tout de suite à Catherine Touchefeu qu'elle est mûre pour être députée. Franchement, c'était une intervention euh, qui euh, nous emmenait euh, vers l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on ressent ici parfois des frustrations vu ce qui s'est passé euh, il y a un an, et on était euh, à la fois enthousiaste pour certains d'entre nous et, et déçus pour d'autres. Euh, mais à la lecture de ce que vient de dire le président de la République, on peut avoir quelques questionnements sur euh, son positionnement. Et c'est vrai que quand on parle du social, c'est assez large. Donc, moi, j'aurais une question simple à poser. Est-ce que la passe, ça n'est pas un progrès social Est-ce que l'allocation pour les personnes handicapées, ça n'est pas un progrès social Et au fond, toutes les aides liées à l'insertion, est-ce qu'on a trouvé en 2018 des solutions innovantes qui nous permettent d'avoir un système différent La réponse, elle est non. Et sur les deux autres points, ce sont évidemment des progrès sociaux. Euh, je ne vais pas faire de la politique nationale ce matin, même si c'est tentant. On regarde l'intervention de Gassien Meunier. Mais il y a moi personnellement quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est l'idée presque stalinienne de Jospin de mettre une génération à 90% du bac. C'est peut-être aussi euh, l'une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation. Et puis j'ajouterai la schizophrénie de la droite et la gauche sur le discours que tu viens de tenir, euh, gatien mais au fond on n'a pas vraiment appliqué des politiques publiques ambitieuses sur ces questions-là. J'en reviens à l'insertion de manière beaucoup plus simple et factuelle et pragmatique. Chaque année, on organise à Saint-Philbert-de-Grandlieu le, le Forum du métier et de l'emploi et euh, les chantiers d'insertion, notamment l'association Sagir, participent. Et des ateliers sportifs sont mis en place qui participent, euh, me semble-t-il, à l'insertion de, de ces publics euh, euh, parfois en difficulté quand on connaît les histoires des uns et des autres. Or, euh, euh, ces personnels d'insertion de ces associations bénéficient d'équipements sportifs qui, jusqu'à présent, était soutenu financièrement par le département or monsieur le président depuis deux ans le conseil départemental de la loire atlantique ne finance plus les équipements sportifs donc il peuvent profiter des équipements sportifs qui sont financés par les communes, les intercommunalités à la région. Mais désormais, tous les équipements sportifs de Loire Atlantique ne, ne seront plus soutenus par le département. Et j'y vois une contradiction, Monsieur le Président. On parle d'insertion, on parle de cohésion sociale. Et s'il y a bien quelque chose qui relève de la cohésion sociale, c'est bien le sport. Donc je regrette personnellement que le département de la Loire Atlantique euh, ne revoie pas sa copie sur ce sujet-là, parce que faire de l'insertion, c'est aussi faire du sport à travers des ateliers sportifs, euh, notamment grâce à l'animation sportive. Mais il faut pouvoir avoir des équipements sportifs modernes dans un département où on accueille, Monsieur le Président, vous le dites chaque année, des milliers de personnes supplémentaires. Voilà, je voulais prendre ce petit angle pour dire à quelqu'un, peut-être qu'on peut évoluer et revenir sur cette position de, 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 de fermeture sur ce sujet des équipements sportifs qui, pro, qui profitent à tous les habitants de l'Ouest-Atlantique et en particulier aux personnes les plus éloignées de l'emploi et les plus en difficulté dont c'est notre mission de les accompagner. Mon cher collègue, je ne sais pas s'il y a un degré de maturité pour devenir député, mais la mesure en politique est une vertu, me semble-t-il, et comparer une ambition en matière d'éducation, même si on peut porter un jugement et un avis, mais la comparer à une politique stalinienne, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas Bien, la parole à Karine Fouquet. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue Marcel Chapeau parlait de se préoccuper des mobilités. Il est vrai que l'accompagnement social et professionnel peut passer par la résolution des problématiques de transport des personnes en insertion. Pour la CLI du Pays de Ré, que j'ai l'honneur de, de présider, euh, c'est vrai que nous sommes régulièrement associés depuis très longtemps aux travaux et aux réflexions sur les problématiques de mobilité. Je profite de cette prise de parole pour inviter mes collègues à être vraiment présents au CLI euh, afin de, de pouvoir apporter leur, euh, toutes leurs réflexions sur, euh, sur, ces, sur, ces, sur ces sujets. Donc, Souvent développé en milieu rural et semi-rural, l'accompagnement solidaire contribue à rompre l'isolement tout en créant du lien social. C'est pourquoi, avec Liliane Jean, avec Jean Charrier, le département accompagne le développement de ces associations de transports solidaires dans les territoires. Acteurs locaux, associations, communes et intercommunalités qui portent ces projets ou les susciter là où il n'y en a pas encore. Dans le canton de Machecoul, je voudrais saluer le travail des bénévoles de l'association des réchauffeurs pour les communes de Pornic-Aglopédré. Et tout récemment, l'association Chauffeurs solidaires Sudré, qui s'est créée avec l'aide des CCAS et l'intercommunalité de Sudré Atlantique, et le département qui a accompagné cette création lors de la dernière commission permanente dans le cadre du pacte territorial d'insertion. L'ensemble des communes concernées lance d'ailleurs un appel à volontaire. Plus les bénévoles seront nombreux, meilleur sera le service rendu. C'est là une solution de mobilité innovante et solidaire qui s'inscrit tout à fait dans les orientations présentées par Liliane Jean ce matin. Liliane, que je voudrais remercier pour sa présentation. La parole à Daniel Cornet. Merci Monsieur le Président. Je voulais juste apporter un témoignage. J'ai participé, assisté à la restitution des activités annuelles de personnes participant au groupe ressources. Et je voudrais tout simplement les saluer pour le travail qu'elles accomplissent tout au long de l'année, alors qu'elles doivent faire face déjà à un principe fondamental, celui d'exister. Quand on n'a rien à faire, c'est difficile d'exister, et pourtant la Constitution prévoit bien le droit à l'emploi. Alors, au-delà de tout ce qu'on a pu entendre, je crois fondamentalement à l'action locale, pragmatique et au travail que nous pouvons mener avec les acteurs économiques, sociaux, avec le soutien de la directe, de Pôle emploi, des associations intermédiaires. Et c'est ce que vit la ville de Poncheteau, la commune de Poncheteau, soutenue par le département. Elle, est en, elle se prépare et elle soutient, euh, la, on espère, le vote d'un second fonds d'expérimentation. Et les dix territoires engagés actuellement démontrent que toute personne est employable et que, que lorsqu'on fait émerger localement de nouveaux besoins non couverts par l'activité marchande, que ces besoins sont exprimés par les acteurs locaux eux-mêmes, eh bien, l'entreprise à but d'emploi a la capacité pleine et entière ensuite de pouvoir embaucher à durée indéterminée ces personnes. Et j'espère que nos responsables politiques sauront se pencher sur la restitution et la conclusion de ces 10, des travaux de ces dix territoires, parce que localement, ça donne déjà de très bons résultats quant à la mobilisation que nous avons réussi à mener, avec tout un ensemble de dispositifs qui la trouvent, leur articulation et leur coordination, et dans l'intérêt de ces personnes qui recherchent déjà au quotidien leur dignité et le droit d'exister. Voilà. La parole à Yannick Ouri. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, chers collègues, quelques mots pour rappeler l'importance de, de la politique sociale. Vous nous l'avez exposé, et c'est cette politique sociale qui a permis d'atténuer les effets de la crise en 2008. Hein. En France, mais il faut aussi agir sur les causes, et ça, c'est bien le rôle de l'État et les mesures qui ont été prises, les projets de loi qui ont été examinés, qui, ou qui seront examinés vont dans ce sens. Projet de loi qui, relatif à l'éducation, où l'effort est mis tout particulièrement sur les maternelles, sur les CP, sur les CM1, de façon à ce que les fondamentaux soient acquis à la fin de l'école primaire. Euh, ce qui concernera demain la formation continue, l'apprentissage. Euh, la, la formation professionnelle, euh, les, les ordonnances qui ont été prises relatives au droit du travail, la loi Pacte qui se prépare pour là aussi créer les conditions donc, euh, de, de l'emploi. Donc avoir à la fois traité les causes qui permettent donc aux personnes d'être armées, d'avoir la culture générale, mais aussi d'apprendre un métier. Et avoir une politique sociale mise en œuvre par les départements qui permet de réparer quand c'est nécessaire sont deux sujets complémentaires et qu'il ne faut pas opposer. L'un est nécessaire, l'autre est nécessaire. La parole à Carole Grelot. Oui, chers collègues. Euh, je ne peux pas ne pas réagir à, à des propos que j'ai. Entendu, euh, monsieur le président, vous avez réagi, mais moi je vais aussi le faire. Je trouve que cette lecture, euh, je dirais simpliste, et de parler de décret stalinien ou de volonté stalinienne d'amener 90% des, des jeunes euh, au bac n'est pas, pas entendable. D'abord parce que la, la, cette lecture est beaucoup trop simple. Ce n'était pas du tout ce qui était visé derrière, derrière cette volonté. C'était au contraire de permettre à tout, toute personne, tout jeune, d'aller le plus loin possible dans ses dans études et non pas de manière stalinienne d'être dirigé dès l'âge de 10, 12 ou 13 ans vers des orientations euh, diverses sans avoir eu la décision. C'est désorientations qu'ils ont prises en toute connaissance de cause. Et je crois que c'est tout aussi dangereux de dire ce qui a été dit tout à l'heure que de ne pas se renseigner et de ne pas faire l'effort de voir comment on peut aussi amener tout un chacun à avoir une certaine connaissance. Je rappelle je rappelle à tous ceux qui sont ici, c'est que c'est la connaissance qui est la première des libertés pour tout individu. C'est tout. Merci. La parole à Claire Tramier. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Euh, je voulais ici euh, soutenir euh, l'intervention de, de notre collègue Daniel Cornet euh, sur la question de la mise en œuvre en Loire-Atlantique de cette très belle initiative portée à l'origine par euh, ATD Carmonde de territoire zéro chômeur longue durée. Cette initiative démontre que lorsque l'on conjugue une attention positive et bienveillante aux personnes privées d'emploi depuis très longtemps, que l'on conjugue le regard d'un territoire sur tous les besoins non couverts, que l'on y associe les acteurs économiques et sociaux, cela donne des résultats très probants et je ne peux que souligner et renchérir sur l'interpellation de nos dirigeants nationaux pour que cette expérience se poursuive et se développe sur le territoire national. Merci. La parole à Jérôme Alemani. Merci, monsieur le président. Madame la vice-présidente, euh, d'abord je voulais euh, répondre à, à l'interpellation de, de ma collègue, notre collègue Marcel Chapeau, euh, parce que les arguments qu'elle a, qu a soulevés m'ont vraiment euh, euh, interpellé et je suis allé regarder cette étude de l'adresse. La, de et vous avez oublié, euh, ma chère collègue, de nous faire part d'une statistique euh, qui porte sur euh, l'accompagnement. Euh, par euh, l'accompagnement des, des, des bénéficiaires du RSA ayant un référent unique par des agents du conseil départemental. Cette statistique, vous n'avez pas cité, la moyenne des, euh, nationale est de 31% et euh, la situation de la Loire-Atlantique, elle est de 50%. La moitié des, de nos allocataires ont un accompagnant euh, agent départemental. C'est un très bon niveau, ça nous situe dans le top 10 euh, des départements et euh, je dirais bien devant. Euh, des euh, départements voisins de la région euh, des Pays de la Loire. Euh, je voulais vous parler d'autres chiffres de, de statistiques euh, qui euh, sont fournis également par l'Adresse, hein, un organisme officiel du, du ministère de la Santé qui, nous, qui a publié euh, il y a quelques jours, la semaine dernière, les chiffres, les comptes de la protection sociale 2016. Euh, qui nous permettent de relativiser les, les propos qui ont été tenus par le, le président de la République, euh, propos un peu cash, un peu libre, sans doute tenus dans un cercle privé, mais enfin, qui ont quand même été relayés complaisamment sur, euh, dans l'espace public. Euh, L'effort de la nation euh, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, il se situe à 57 milliards d'euros en 2016, soit 2,6% de notre PIB. Ça englobe le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et puis les parts d'APL et de prestations familiales que perçoivent les ménages pauvres. Et si la France est le pays d'Europe le plus dépensier en termes de, de protection sociale, ça n'est pas en raison de ces dépenses de lutte contre la pauvreté, mais en raison de l'assurance maladie et des dépenses de protection d'assurance vieillesse, de retraite qui représente 700 milliards d'euros euh, chaque année, soit 30% du PIB. Mais surtout, il faut souligner que cette dépense euh, contre la pauvreté et l'exclusion, elle est efficace. Euh, elle permet une vaste redistribution euh, qui réduit considérablement le taux de pauvreté euh, monétaire. Euh, pour, dans le cas de la France, euh, on passe d'un euh, taux de, de pauvreté... Euh, en dessous de 60% du, du niveau de revenu, de niveau de vie médian, de 24% avant redistribution à 13,6%, ce qui nous situe largement en dessous de la moyenne européenne qui est de 17%. J'ajoute une autre statistique, celle de la grande pauvreté qui nous est donnée par Eurostat, qui a comparé toutes les situations européennes. La grande pauvreté, c'est en dessous de 40% du revenu médian. La France est, sur ce critère, le pays d'Europe où la part de la population très pauvre est la moins élevée, la plus basse, 2,8% de la population, contre 6,3% en moyenne dans l'Union européenne. Donc voilà, il faut vraiment, en donnant ces faits, ces faits objectifs, dire aussi ce en quoi nous croyons, nos valeurs, à savoir que la solidarité... Elle ne doit pas se mégoter. Hein. Chacun y contribue à, à, à proportion de, de ses ressources et doit en bénéficier à proportion de, de, ses, de ses besoins. Et la France est un pays de fraternité, euh, un pays de, de, qui a la passion de l'égalité. Et donc euh, les puissances publiques, l'État, les collectivités et même le président de la République sont investis euh, de ces euh, devoirs de, de redistribution et de justice sociale. Donc, je rejoindrai un certain nombre de collègues en disant qu'on ne peut pas impunément alléger l'imposition des premiers de cordée de plusieurs milliards d'euros et en même temps s'en prendre aux, aux locataires du parc social ou du parc privé, aux contrats aidés qui permettent aux associations d'assurer de, des, des services très utiles ou encore aux travailleurs pauvres euh, qui, pour qui la prime d'activité représente un 13e mois. Donc moi, je m'inquiète un peu qu'on euh, voilà, que le chiffre de 7 milliards d'euros d'économie euh, circule, 7 milliards d'euros d'économie à trouver sur les prestations sociales, parce que je pense que euh, euh, ce serait très dangereux pour notre modèle et notre équilibre social. Bien heureusement, ce n'est pas le modèle que promeut la loi Atlantique. Madame la, la vice-présidente, vous nous avez lancé un appel à la mobilisation, l'émancipation, la dynamisation et surtout de confiance. Dans, dans les personnes. Moi, c'est un message auquel je souscris entièrement. Bernard Gagnel a indiqué dans les, la délégation que nous partageons sur les infrastructures numériques, nous nous y employons. Euh, les besoins de, de, de recrutement sont euh, très forts, sont très élevés, et donc nous devons faire plus et encore mieux pour favoriser l'emploi des personnes, euh, des allocataires euh, du RSA. Donc oui, on peut réformer, on peut ajuster, on doit euh, améliorer, oui, oui, mille fois oui, mais sans jamais euh, euh, tomber dans une logique purement comptable, euh, sans jamais, euh, je dirais, utiliser les, les droits euh, des personnes comme des variables d'ajustement euh, face aux impasses fiscales de l'État. Merci. Merci. Je n'ai plus de demande de parole. La parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci à, à toutes et à tous pour euh, ces, ces interventions. Je vais rebondir euh, directement sur la dernière intervention, celle de Jérôme Alemani, qui euh, rappelle cette enquête de, de l'adresse, effectivement, d'abord qui est un peu plus ancienne. Donc il faut pouvoir être vigilant sur les chiffres qui sont présentés, mais qui rappellent un certain nombre de, de choses. Cette enquête, c'est une enquête nationale euh, qui ne prend pas forcément toujours en considération aussi un certain nombre d'initiatives locales et notamment euh, la prise en compte par euh, les unités emploi de près de 7000 allocataires du RSA qui sont eux-mêmes accompagnés euh, par, euh, par les agents du, du département. Je rappelle par ailleurs que 75% 15 des allocataires du RSA ici en Loire-Atlantique bénéficient d'une d'une orientation. Donc c'est voilà un chiffre quand même important. D'autre part, euh, nous avons cette enquête est un peu ancienne. Et euh, nous avons, je vous le rappelle, dès 2017, euh, lancé euh, un appel d'offres pour euh, permettre l'accompagnement des allocataires euh, du RSA euh, isolé par euh, plusieurs associations de notre territoire. Et au regard de l'évaluation qui est faite sur ces allocataires du, euh, du RSA isolé, ce sont 60% de taux de contractualisation. Donc il faut toujours rester assez vigilant sur les chiffres qui sont... Euh, qui sont évoquées. D'autre part, on ne prend pas là aussi en compte tout l'accompagnement global qui a été mis en place avec Pôle Emploi, qui aurait pu tout simplement inciter le département à dire, puisque ses allocataires sont suivis par Pôle Emploi, le département ne s'en préoccupe pas, pas du tout. Au contraire, dans le cadre de l'accompagnement global avec Pôle Emploi, ces allocataires bénéficient de ce double accompagnement, à la fois d'un accompagnement professionnelle étayée par un accompagnement social réalisé par le département. Donc on voit bien de nouvelles offres d'accompagnement qui sont proposées. Je pense que le département n'a absolument pas à rougir ni de la démarche d'accompagnement social ni de l'accompagnement professionnel qui est, qui est réalisé. Alors évidemment, il faut toujours s'améliorer. Évidemment, on ne peut pas euh, se satisfaire encore d'avoir euh, 29 000 allocataires du RSA sur le, le territoire euh, départemental, et c'est bien l'objet de cette stratégie départementale d'insertion de continuer à travailler et à continuer à œuvrer dans ce domaine pour permettre à chacun et à chacune de retrouver euh, de retrouver sa place. Alors, je l'ai dit, notre priorité, c'est la mise en, en activité euh, précoce le plus rapidement possible. Mais je constate qu'ici même, dans cet hémicycle, nous n'avons pas tout à fait tous la même notion de la manière de mettre les gens en activité. Je le dis ici, très solennellement, le bénévolat, c'est une action volontaire, individuelle, et en aucune manière, ça doit être une contrepartie à un droit. Le RSA, c'est un droit. Et donc, en aucune manière, ces allocataires du RSA n'ont à euh, donner en contrepartie des heures de bénévolat, n'ont à aucune manière vocation à remplacer les contrats aidés, qui ont baissé certes, mais je vous le rappelle, le département a maintenu un haut niveau d'investissement sur ces contrats aidés. Non, les allocataires du RSA n'ont pas vocation à avoir en contrepartie d'un droit de donner des heures de, de bénévolat. Ce, ce, ce n'est pas possible, ce n'est pas notre conception, ce n'est pas notre politique ni notre philosophie de ce qu'est un droit. Par ailleurs, si vous regardez autour de vous, un certain nombre de nos concitoyens, dont les allocataires du RSA, font le choix eux-mêmes d'aller vers des actions bénévoles. Mais c'est un choix personnel qui leur importe eux. Et c'est vrai que ça contribue à redonner de la dignité, ça permet de lutter contre l'isolement, mais en aucune manière ça doit devenir un service de travail obligatoire. Ça n'est pas possible. Je le redis. Nous avons d'autres ambitions pour les allocataires du RSA. Daniel Cornel l'a évoqué. Nous travaillons sur le territoire de Pontchâteau à une entreprise à but d'emploi. Oui, nous pensons que d'autres solutions, des solutions innovantes, différentes, peuvent permettre, de permettre aux personnes allocataires du RSA de retrouver un emploi. Et c'est bien notre vocation aussi de travailler avec l'ensemble de nos partenaires de l'emploi. Des, des réseaux économiques pour faciliter cet accès à l'emploi. Alors non, je le redis aussi, non, nous n'avons pas baissé le budget des, des structures d'insertion par l'activité économique. Je le rappelle, notre budget 2017 était de 4 millions 125 000 euros. En 2018, il est à 4 millions 700 000 euros. Depuis 2017, nous avons un taux d'évolution à 14 de notre aide aux structures d'insertion par l'activité économique. Ces structures, en effet, sont de véritables tremplins pour l'accès à l'emploi pour un certain nombre de personnes qui ont besoin d'étapes pour accéder à l'emploi euh, en entreprise. Le travail qui est réalisé dans ces structures d'insertion par l'activité économique est remarquable. Il travaille à la fois sur le, le savoir-être, sur le savoir-faire, sur de la montée en compétences, sur de la technicité et l'accompagnement que nous soutenons dans ces structures est particulièrement important. Je rappelle aussi que le choix du département, ces structures d'insertion par l'activité économique accueillent aussi des jeunes pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier du monde du travail alors oui effectivement on a ce paradoxe entre des entreprises qui créent de l'emploi et qui ne trouvent pas toujours la main d'œuvre dans ces secteurs secteurs en tension. alors oui nous avons mis en place une formation sur la fibre optique. pourquoi nous l'avons fait? parce que eh bien il n'y avait rien sur le territoire de loire atlantique pour permettre cette formation d'avenir pour les allocataires du RSA. Je le rappelle, la compétence du département n'est pas une compétence en matière de formation. C'est bien la région qui est compétente en matière de formation. Et dans ce sens-là, nous travaillons de façon étroite avec la région pour développer des actions de formation qui soient davantage accessibles à notre public. Mais nous ne travaillons pas non plus qu'avec la région. Nous travaillons aussi avec les OPCA. Nous travaillons aussi avec... Pôle emploi pour faciliter cette mise en, en, en formation parce que nous croyons à la formation. On sait que c'est un levier extrêmement important. Ce qui me permet de rebondir d'ailleurs sur ce qui a été dit, très rude, hein, quand on parle de démarche un peu stalinienne, qui est vraiment un, un non-sens quand on connaît combien euh, la formation est importante aujourd'hui pour accéder à l'emploi et sécuriser dans l'emploi. Il faut. Il faut apprendre à apprendre. Le, le, le pédagogique, c'est un vrai bagage pour, pour l'avenir, pour pouvoir s'adapter à l'évolution du monde de demain, qui est toujours en mutation et en mutation extrêmement euh, rapide. Sur. Euh, sur le, le périmètre des clis, oui, nous allons travailler sur le périmètre des clis. Oui, euh, on l'a annoncé, nous allons retravailler sur ce, ce sujet-là. Pour... Mais la stratégie départementale, elle ne va pas euh, se travailler euh, là dans l'espace de trois mois. On a cinq ans pour travailler, donc nous allons euh, euh, nous y mettre. Et euh, Marcel Chapeau disait que sur la partie 14, il n'y avait pas forcément d'éléments concrets. Euh, si on a des choses extrêmement concrètes. Nous avons eu dans, les, dans tous les ateliers qui ont été mis en place, que ce soit les ateliers CLI, que ce soit les journées territoriales qui ont été mises en place sur les différentes thématiques, nous avons eu remonter du terrain, justement, des, des propositions, des préconisations extrêmement concrètes. Et c'est bien le travail qui va euh, à venir qui va nous permettre de les, de les mettre en place. Catherine Touchefeu l'a dit, en effet, la question du, de l'emploi, la question de la remise en activité des personnes doit se penser globalement. Ce n'est pas que le fait des personnes s'ils sont euh, toujours en recherche d'emploi. C'est bien une dimension globale qu'il faut travailler. Travailler sur l'environnement, travailler sur les territoires, travailler avec les entreprises, travailler avec l'ensemble des, des acteurs et travailler en transversalité, je crois que ça, c'est extrêmement important. Nous le faisons ici au département, nous le faisons sur la culture et insertion, nous travaillons sur l'activité et insertion, nous travaillons sur tourisme et insertion avec Françoise Amé. Nous travaillons avec, sur le numérique, ça a été évoqué, et notamment sur les usages numériques avec David Martineau. Nous travaillons sur la mobilité avec Karine Fouquet, avec Jean Charrier. Nous travaillons avec l'ensemble des politiques publiques parce que, effectivement, l'insertion se niche partout. Et si on veut remettre les personnes en activité, c'est sur tous ces champs-là qu'il faut, qu faut euh, travailler. Voilà, je n'ai peut-être pas répondu à toutes les questions, mais je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Merci. 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 Je rappelle modestement que la compétence emploi est du ressort de la nation c'est une compétence de l'État, qu'elle partage notamment sur la question de la formation avec les régions. Et que, en ce qui me concerne, je suis pour que nous puissions toujours trouver l'articulation entre emploi, formation, or orientation, insertion, et ce, au plus proche des territoires, et que j'ai répondu favorablement à, à Madame la préfète pour que nous puissions participer à cette nouvelle instance qui se mettra en place au, au niveau régional, un comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, commission qui sera déclinée au niveau de chacun des cinq départements de la région et qui à l'intérieur, au niveau infradépartemental, sera également décliné sur des territoires et nous participerons à l'ensemble de ces commissions afin de toujours, toujours, toujours œuvrer à cette articulation complexe. Il n'y a pas de méthode simple, il n'y a pas d'approche simpliste de ces questions, même si effectivement l'observation de cet écart entre les emplois disponibles et les personnes qui recherchent un emploi, on a toujours tendance à vouloir simplifier. Et qui dit simplifier dit parfois simplisme, qui dit simplisme dit parfois exagération. Ces questions qui se relèvent évidemment d'approches extrêmement complexes et pointues. Et c'est ce en quoi nous nous employons depuis de très nombreuses années dans ce département. Et le département de l'Ouest-Atlantique est souvent montré au plan national comme exemplaire dans toutes ces questions qui touchent au droit. D'ailleurs, nous étions... Un territoire expérimental pour l'accès au droit, parce que cet accès au droit est une originalité de notre pays, qui est un héritage de siècles et de décennies. Et donc, nous y sommes très attachés. Je remercie, Madame la vice-présidente, que vous ayez rappelé ce que j'avais écrit dans une tribune en 2016, après que certains de mes collègues dans l'Est de la France aient voulu conditionner le versement d'une allocation, qui est un droit avec. L'obligation de s'engager dans des parcours de bénévoles, ce qui est tout à fait, tout à fait contraire à l'esprit républicain. Et, et donc, je vous remercie de l'avoir rappelé ici. Monsieur Gatien Meunier, pour une explication de vote. Oui, Président, bah, l'explication de vote, nous l'avons donnée tout à l'heure. Je voudrais juste revenir dans deux mots. Euh, tout à l'heure, dans mon propos, j'ai salué euh, l'engagement euh, de notre collègue Yann Jean. Là, aujourd'hui, je, je, à l'instant, je, je constate que cet engagement est devenu passionnel et que l'a amené à avoir des propos qui, me semble-t-il, sont un peu excessifs, et euh, tout le moins dans le cadre de cette Assemblée, en rappelant une sombre, une sombre période de notre pays à travers le... Le travail obligatoire, ça n'est quand même pas ce à quoi les uns et les autres avons fait allusion dans le cadre de nos propos. Et puis permettez-nous malgré tout aussi d'avoir aussi d'autres idées, de propositions. J'ai sous les yeux un article rendant compte donc, de la décision du Conseil d'État à propos de de, 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 comment du dispositif mis en place par le, dans le Haut-Rhin. Donc il s'agit effectivement d'un bénévolat euh, associé d'une notion de volontariat et non pas d'une obligation de travail obligatoire. Donc entendons-nous euh, sur ces dispositifs, sur les propos, les termes que l'on tient. Et puis entendons ces propositions et on peut en débattre. Voilà, merci. Donc je propose de mettre aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. comme le temps passe vite, le scrutin est clos. les résultats, je vous remercie pour cette unanimité sur un dossier si sensible. je demande à monsieur hervé vauchon de se présenter. merci, liliane. La parole à Monsieur Freddy Hervochon pour nous parler des payants. Oui, euh, Monsieur le Président, mes chers collègues. donc Les, les premiers euh, programmes d'action euh, des payants, donc périmètre de protection des espaces agricoles, naturels, périurbains, euh, prévus euh, pour trois euh, ans, sont arrivés à échéance cette année. Euh, un bilan a été fait et les enseignements euh, tirés euh, ont permis euh, de concevoir euh, un cadre départemental de la future génération de, du programme d'action. Euh, et avant de rentrer plus en détail euh, sur ce rapport, pour celles et ceux qui douteraient encore de l'utilité des Péants, je vous propose une petite vidéo euh, du Péant de l'Immaculé à Saint-Nazaire. <laughs> Il semble que nous ayons un petit problème de régie. Inscrit dans le parc naturel régional de Brière, le Péan protège des espaces bocagés et permet <laughs> le maintien essentiel de la biodiversité. Cet espace est le lieu de travail d'hommes et de femmes. Éleveurs, pépiniéristes, horticulteurs et bientôt maraîchers y vivent et font prospérer durablement ce territoire. Sans la mise en place du péange, je ne pense pas qu'on aurait réussi à avoir autant de terres et je pense pas qu'on aurait pu débloquer les terrains aussi vite. C'est une aventure qu'on a débutée à deux avec mon frère il y a donc trois ans et aujourd'hui c'est vrai quand on arrive au travail on est, on est content de ce qu'on a accompli. On privilégie la vente directe, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de choix variétal en petite quantité et de pouvoir faire connaître aux gens des, des plantes un peu différentes. L'intérêt vraiment du paysage en proximité de la ville, je pense que ça permet aussi à la ville d'avoir une zone qui reste agricole. C'est essentiel de préserver ces espaces pour assurer les successions et les reprises d'exploitation. À partir du moment où il y a une lisibilité sur du long terme, avec des terrains préservés, il y aura un dynamisme et une agriculture qui pourra résister à la pression foncière. C'est un lieu unique, c'est splendide, il faut le transmettre aux générations futures, c'est clair. Le Péan est un laboratoire pour l'agriculture périurbaine. C'est un espace d'expérimentation. Il encourage les initiatives afin de conforter et dynamiser l'agriculture locale. Merci pour cette présentation euh, qui a été réalisée avec euh, la Carène. Euh, vous voyez que l'utilité des payants est désormais euh, croit reconnue hein, euh, par l'ensemble des acteurs. Comme le disait le président, à une certaine époque, ce n'était pas un dispositif si évident. Euh, il a suscité des craintes et je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire qu'il est là cette reconnaissance de l'ensemble des acteurs et plus particulièrement de la profession agricole. Et je crois que c'est un élément important. Euh, L'effet protecteur du payant contre l'urbanisation a fait ses preuves. Euh, les agriculteurs ont davantage de visibilité sur leur outil foncier. Et euh, certains propriétaires fonciers euh, sont beaucoup plus enclins à mettre leurs terres en location aux agriculteurs. Alors, les orientations prises dans chacun des trois paysans euh, sont très dépendantes du, du contexte local. Pour la Presqu'île Guérantaise, l'objectif principal est de lutter contre la déprise agricole et mobiliser le foncier en vœu de nouvelles installations. À Saint-Nazaire, le payant que nous avons vu en vidéo, l'animation s'appuie euh, davantage sur la valorisation du terroir agricole. Et sur la communication envers le grand public. Et enfin, pour le PAN des Trois-Vallées, très vaste, qui recouvre deux EPCI, Nantes Métropole et la communauté de communes Herde-Régèvre, le PAN joue encore pour l'heure un rôle d'assembleur. Alors, le nouveau cadre des actions euh, c'est vraiment la, la deuxième génération hein, du programme d'action euh, qui vous est proposé pour adoption à, à, dans cette assemblée départementale pour une période de trois ans et euh, qui doit désormais euh, être renouvelé Le bilan des premières générations de programmes d'action ont conduit à envisager de manière plus ciblée, l'intervention départementale afin d'en renforcer sa cohérence entre les subventions départementales et les orientations politiques prises notamment dans l'axe stratégique que nous avons adopté dans la nouvelle ambition départementale en faveur de la préservation des espaces agricoles et naturels. L'esprit de ce cadrage, y tient en, en, en quintes principes, d'acter un principe de cofinancement des actions conduites dans le cadre du programme d'action de promouvoir davantage des actions environnementales dans les paysans et le développement d'une agriculture durable, de garantir le rachat par les collectivités, les exploitants des parcelles acquises par le département, et enfin de fixer un barème harmonisé pour la prise en charge des coûts d'animation des programmes d'action. Donc vous verrez que ce nouveau cadre départemental, s'articule autour de quatre axes. Le premier des interventions en faveur de la préservation et de la valorisation de l'agriculture locale. Donc, il s'agit d'accompagner l'ensemble du processus d'accompagnement et d'installation et de transmission des installations des nouveaux agriculteurs. Deuxième axe, c'est une action foncière pertinente. Il s'agit de garantir le rachat par une collectivité et de mettre en œuvre des outils d'échange innovants. J'y reviendrai dans le rapport suivant. Troisième axe des interventions en faveur de la valorisation de l'environnement et des espaces naturels, c'est notamment préserver la nature ordinaire à travers notamment la mise en œuvre de corridors écologiques et l'acquisition dans les périmètres de protection des captages d'eau potable. Et enfin, le quatrième axe de ce nouveau cadre départemental, il s'agit d'une animation où on propose de financer à 60% les postes d'animateurs des payants. Donc ce cadrage est annexé au rapport que vous avez, euh, il décline précisément chacun de ces quatre axes précités. Il sera d'ailleurs le point de départ euh, si vous l'adoptez aujourd'hui d'une révision de l'ensemble des programmes d'action dans chacun des paysants qui sera discuté avec les partenaires locaux et ces programmes d'action seront ensuite à nouveau soumis à la commission permanente ainsi qu'aux EPCI concernés Cap Atlantique, Carène, Nantes métropole et la communauté de communes d'Ardègèle. Euh, mais ce cadre départemental, il servira aussi pour les autres collectivités qui sont aujourd'hui intéressées pour la création de nouveaux péants sur notre territoire de Loire-Atlantique. Enfin, si vous voulez tout savoir pour créer un péant, vous trouverez dans vos dossiers remis sur, vos, dans, sur les pupitres un guide à cet effet. Pour promouvoir les péants en Loire-Atlantique. Merci de votre attention. La parole à Mme Chantal Brière. Merci, M. le Président. Chers collègues, les péants doivent permettre de protéger les espaces naturels et d'engager, de, donc c'est le cas sur le territoire de Cap-Atlantique, une reconquête du foncier agricole. Sur le péant de la presqu'île guérandaise, donc territoire sur lequel l'agriculture avait pratiquement disparu en trois années, nous avons réussi à installer une dizaine de nouveaux exploitants en agriculture biologique et durable et tourner vers les circuits courts. Si nous y sommes parvenus, c'est parce que les collectivités et les élus locaux ont pris toute leur place et pleinement assuré leurs responsabilités avec un accompagnement important de la Chambre d'agriculture. En effet, j'ai la conviction que la protection des espaces agricoles, le soutien à l'installation et à la reprise d'exploitation constitue des enjeux forts que l'ensemble des acteurs et des collectivités doivent partager. Et je peux témoigner que si les collectivités locales ne s'engagent pas, les payants restent des coquilles vides. Néanmoins, le renforcement du partenariat ne doit pas se traduire par un désengagement financier du département. Or, dans le financement de la deuxième génération des programmes d'action, la tendance que vous proposez est celle d'une plus forte participation des collectivités, communes et EPCI et d'une diminution de l'intervention départementale, que cela concerne l'animation ou les interventions en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces. Je le regrette car cela constitue un nouveau désengagement et un report de charge du département vers les communes et intercommunalités. À ce titre, le département retient le seul critère de la surface pour mobiliser son financement pour l'animation, ce qui est regrettable. D'autres critères auraient pu mériter d'être étudiés, comme le nombre de parcelles, par exemple. Alors, sur le péant du coteau guérandais, ce sont plus de 2000 parcelles et autant de propriétaires qui sont concernés, ce qui demande un travail considérable. J'ajoute que dans un contexte territorial d'application de, de la loi littorale, l'accompagnement des agriculteurs pour mener à bien leur projet de bâtiment nécessite également un travail très important. Par ailleurs, donc pour les trois payants de Loire-Atlantique, vous avez, si j'en crois donc le rapport, réalisé un bilan du premier programme d'action. Nous aurions aimé qu'il puisse être communiqué, parce qu'on ne le trouve pas donc, en annexe de ce rapport. Et nous aurions pu ainsi voir que, dans les actions conduites sur les payants, on comporte déjà de ces volets d'agriculture durable et d'une gestion environnementale, faisant confiance aux agriculteurs qui s'installent sur ces espaces et à l'adaptation progressive des autres agriculteurs. Sur Cap Atlantique, la gestion environ environnementale du territoire est très importante, donc elle fait l'objet de nombreux programmes hein, financés par l'Agence de l'Eau, par la région, par les contrats Natura 2000. Aussi, nous souhaitons que le financement du dispositif porte plus sur l'animation et le portage foncier. Et pour conclure, donc si, si ce nouveau programme d'action comporte quand même de nombreux points positifs, je souligne par. Alors, c'est un tout petit exemple, mais euh, les rétrocessions donc, euh, aux collectivités, aux agriculteurs par des actes administratifs, hein, ce qui permet d'éviter les frais d'actes. Et c'est vrai que c'est des très bonnes, euh, très bonnes solutions. Et il faut que, voilà, que, que ce programme d'action prenne en compte les spécificités de chaque territoire. Et je vous remercie. La parole à Erwan Bouvet. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, parmi les nouvelles actions sur lesquelles le département entend concentrer son intervention figure notamment la protection de la ressource en eau. C'est vrai que c'est un sujet auquel je, je suis sensible, étant sur un territoire au nord de la Loire sur lequel le, le vignoble est beaucoup moins développé. J'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur ce sujet en commission permanente à plusieurs reprises. Sur le péant des vallées de l'Erdre, du Gèvre et du Sens, se trouvent notamment les nappes phréatiques du plessis à brunet nappes qui alimentent les réseaux d'eau potable de Blain, Casson, Éric, Notre-Dame-des-Landes, Grand-Champ-des-Fontaines, Trélières et le nord de la chapelle sur Erdre. Des, des analyses réalisées en 2015 par l'Agence régionale de santé ont mis en exergue la forte présence, au-dessus des seuils réglementaires, d'une molécule appelée l'ésamétholachlore issu d'un herbicide utilisé sur des cultures de maïs et de haricots. Je ne veux bien évidemment pas pointer du doigt la profession agricole, dont je sais les efforts qu'elle réalise chaque jour pour limiter le recours aux produits toxiques. Je ne peux pas davantage ignorer l'histoire et les pratiques passées dans ces territoires et l'utilisation des pesticides dont on mesure mal, encore aujourd'hui, la durée de vie néanmoins au plein, corps, au plein cœur du péan les nappes phréatiques sont fortement polluées avec les conséquences sanitaires que chacun mesure facilement aujourd'hui il y a urgence à passer à l'acte soyons audacieux osons également dans ce domaine le département doit jouer son rôle et prendre toute sa place comme indiqué dans le rapport le département peut mobiliser les outils dont il dispose comme les aménagements fonciers ou le droit de préemption aussi, je souhaite, Monsieur le Président, que nous ne perdions plus de temps et que nous examinions rapidement les actions que le département peut conduire, allant jusqu'à la préemption pour protéger nos captages d'eau potable. Il en va d'une question de santé publique. Je vous remercie. La parole à Bernard Lebeau. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Euh, Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, on compte environ 6500 exploitations. Peut-être un peu moins, puisque. Ce recensement date déjà un peu. Euh, la réalité doit être moins importante aujourd'hui. La profession s'inquiète fortement de la diminution du nombre d'exploitations dû au fait que peu de jeunes veulent ou peuvent s'installer. Et certaines exploitations en absorbent d'autres, ce qui signifie qu'il y a de plus en plus de grosses exploitations. Le payant a vocation à devenir un outil indispensable pour sécuriser et pérenniser les exploitations via. Des partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire. Je pense bien sûr à la Chambre d'agriculture, mais les collectivités, mais aussi toutes les structures agricoles, les CUMA, les syndicats. Comme exprimé, le nouveau cadrage vise notamment à promouvoir le développement de l'agriculture durable et locale, notamment en rendant exploitables des parcelles où il n'y avait jusqu'alors plus de pratiques agricoles. Ce sont les actions de défrichage. En poursuivant notre démarche de protection de terres agricoles, nous préservons les productions variées. Produites chaque année en Loire-Atlantique, c'est aussi de cette manière que nous pourrons remplir nos objectifs, tels que le développement des circuits courts et l'introduction de produits locaux et de qualité dans la restauration collective, constituent une priorité de l'action départementale, vous le savez. Nous avons pour cela adopté au BP 2018 notre engagement. Au regard de la proximité géographique des payants avec les bassins de population les plus importants et donc de la consommation, un certain nombre d'actions peuvent déjà intéresser les territoires payants en priorité. Par ailleurs, sur l'ensemble du département, une autre action a toute son importance, c'est celle de la prévention et l'accompagnement des situations de fragilité en agriculture. Les territoires payants sont bien évidemment concernés, peut-être les premiers concernés par ce sujet. Là aussi, le département accompagnera les collectivités et les structures agricoles. Enfin, l'accès au numérique est important pour tous. Peut-être encore plus pour les territoires et les populations dans les Péan. Là encore, le département s'est engagé au développement du numérique, y compris et si nécessaire, si nécessaire avec l'aide à l'achat de kits satellites. Voilà cette nouvelle génération de cadrage des programmes d'action dans les Péan est la bienvenue et sera au mieux compléter nos actions déjà engagées avec les collectivités locales concernées. La parole à Monsieur le rapporteur. Euh, oui, donc euh, merci pour vos observations, Madame Brière, sur euh, effectivement le, le rappel sur le fait que ces payants étaient euh, fortement portés par les acteurs locaux. Et euh, c'est vrai, euh, c'est une politique qui euh, part du terrain. Nous ne souhaitons pas avoir une politique trop stalinienne, trop descendante, monolithique. Et bien évidemment, rien ne se fait sans le local, et vous le savez bien. Donc il ne faudrait pas que le département soit trop engagé. Nous devons avoir un équilibre entre le local et la politique départementale. Sérieusement, euh, effectivement, l'animation aujourd'hui était portée fortement. C'était la première génération des payants et nous souhaitions euh, effectivement être très présents et euh, nous n'avions pas un corpus de euh, modalités, c'était les premiers, donc chaque payant avait des modalités un peu particulières. Là effectivement nous rentrons dans une deuxième génération euh, de programmes d'action et j'ai souhaité avec Bernard Lebeau euh, harmoniser euh, les modalités d'action qui étaient un petit peu au cas par cas euh, et nous avons la volonté, vous le savez, de, de le développer, donc il faut avoir quand même un cadre qui soit harmonisé. Mais soyez rassurés, autant effectivement sur l'animation, plus particulièrement, et, et, et Chantal, vous suivez très fortement, ce dossier euh, du PAN, du presqu'île guérandaise, l'animation euh, va rester dans un financement constant malgré l'extension euh, du PAN. Euh, nous n'allons pas euh, en rester là. Nous allons quand même injecter, vous le verrez dans le rapport suivant, près de 290 000 euros en 4 ans euh, sur une nouvelle procédure sur ce PAN. Qui est la procédure ESIR, donc les échanges de sessions à l'amiable d'immeubles ruraux, donc qui est une nouvelle procédure. Alors, plus que de l'animation, c'est du programme d'action concret qui va être injecté. Donc, je pense qu'on n'est pas complètement dans le désengagement, mais il y a une sorte d'harmonisation. Mais globalement, il y a plutôt un engagement maintenu, voire même renforcé, dans l'exemple que je viens d'évoquer. Pour ce qui concerne effectivement la politique de préservation de l'environnement et de la qualité de l'eau. Monsieur Bouvet, vous évoquiez, et je sais que cela vous, vous tient à cœur, euh, et vous nous demandez d'agir rapidement. Ben, C'est fait, hein, puisque nous allons adopter, si vous votez avec nous ce rapport, le fait qu'on puisse préempter du foncier dans les périmètres de protection de captage. C'est un des éléments nouveaux de ce nouveau cadrage départemental, car nous savons qu'à un moment donné, lorsque nous voulons lutter contre des pollutions diffuses, comme celles que vous évoquez, cela passe parfois par de la maîtrise foncière à long terme. Parce que sur une politique comme celle-ci de lutte contre les pollutions diffuses, il faut agir sur du long terme. Et quoi de mieux qu'une maîtrise foncière dans les périmètres de captage Mais faut-il que les syndicats d'eau nous suivent donc, euh, je vous invite effectivement, avec moi, si vous le souhaitez, qu'on aille rencontrer ces syndicats et qu'ils puissent s'inscrire dans cette logique, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, il y a plutôt des réticences des syndicats Donc, là, au contraire, je pense qu'encore une fois, le département est impulseur d'une dynamique, euh, mais euh, je suis persuadé, encore une fois, que. Euh, et, et je vois que tout cela évolue favorablement et que chacun revendique maintenant euh, l'appropriation collective de cette politique d'épéant. Donc j'en suis fort aise parce qu'elle est, je crois, le meilleur, le meilleur des dispositifs en France, la meilleure des, des lois qui, qui aient été inventées pour protéger nos espaces agricoles dans un département aussi sensible sur le plan foncier qu'est la Loire-Atlantique. Donc continuons, non pas le combat, mais continuons le mouvement. Je vous invite donc à voter ce rapport. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats unanimité. Merci. Dossier suivant. La parole au rapporteur. Donc après le cadrage départemental en vue de la deuxième génération de programmes d'action dans les paysans, je vous propose donc la création d'une autorisation de programme pour les opérations foncières agricoles. Donc comme je vous le disais, le département diversifie ses modes d'intervention en faveur de l'aménagement rural. Aussi, euh, les aménagements fonciers usuellement euh, mis en œuvre, je pense notamment aux AFAF, aux aménagements fonciers agricoles et forestiers, qui sont des opérations longues, coûteuses, euh, parfois euh, pas toujours adaptées au contexte local, laissent progressivement euh, place à des interventions plus souples, plus centrées sur les exploitants et mieux intégrées avec une combinaison de différentes actions. De type euh, échange euh, amiable de beaux ruraux, euh, défrichage, intervention euh, foncière. Le présent euh, rapport euh, vise à créer donc cette autorisation de programme au sein de laquelle s'inscrivraient euh, différentes opérations. Euh, trois d'entre elles sont d'ores et déjà en réflexion ou en cours de mise en œuvre. La première, il s'agit du projet euh, d'échange de cession euh, d'immeubles ruraux, dit ESSIR, sur le p littoral de la Presqu'Île-Guérentaire pour un montant évalué à 290 000 euros. Deux autres opérations sont aussi prévues dans cette autorisation de programme qui intègre les actions en vue de compenser les impacts agricoles du projet de liaison routière entre Carquefou et Nord-sur-Erde et entre Port-Saint-Père et Pont-Béranger, respectivement d'un montant de 170 000 euros et de 290 000 euros il vous est euh, proposé, euh, si vous en êtes d'accord, euh, d'inscrire un montant d'un million d'euros sur cette euh, autorisation de programme. La parole à Jean-Luc Beignet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, euh, mes chers collègues. Nous allons voter bien évidemment cette délibération hein, qui vise à créer euh, une autorisation de programme intitulée, comme vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, Opération foncière agricole. Bon, car la mise en œuvre donc, de procédures foncières, donc, elle est plus souple, moins coûteuse, et évidemment, je partage que c'est une excellente idée. Euh, idée qui nous va nous permettre assurément d'aller plus vite sur ces dossiers routiers. Alors, je pense et c'est l'objet de mon intervention, donc à la liaison Carquefou-Nord sur Erd, donc c'est-à-dire la liaison RD 178. j'ai été, toujours été favorable hein, pour que le département ne mette pas en place une AFAFE, hein, donc euh, aménagement foncier agricole forestier et environnemental. Voilà, pour être pris, pris, plus précis sur cet acronyme. Et tout d'abord, je remercie aussi les services hein, parce que bon, voilà, qui sont présents lors des rencontres avec le monde agricole, euh, la Safer et aussi la Chambre. Euh, tout le monde est allé dans le même sens pour faire valoir donc euh, cette, euh, cette opération et euh, la mise en place, la non mise en place de cet affaiblissement. Euh, J'ai cependant une interrogation, hein, et c'est la raison pour laquelle je veux attirer donc, votre euh, votre attention, Monsieur le Vice-président. C'est sur le fait de bien dimensionner cette enveloppe. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois que les agriculteurs sont en attente éventuellement donc euh, les réparations des impacts et entre autres en termes de remplacement de haies. Ça a été évoqué donc lors de notre dernière rencontre et, et, et je me demande si toutefois l'enveloppe de 170 000 euros sur cette opération est suffisante. Euh, je note aussi, euh, bien sûr, que sur euh, l'autre opération, c'est-à-dire celle qui est au sud, euh, sud euh, du département, donc la RD 751 entre Port-Saint-Père et, et le Pont Béranger, pour un linéaire donc, deux fois moins important, on a une enveloppe plus conséquente. Alors, je ne sais pas si euh, c'est au kilomètre que, que euh, ça, se, ça se chiffre, mais euh, donc l'objet, bien évidemment, c'était d'attirer votre attention là-dessus et, euh, le cas échéant, donc de revoir cette enveloppe à la hausse pour que eh bien, ces... Ces impacts soient limités et puis que ces opérations donc de reconstruction ne soient pas faites à minima. Voilà. Merci Monsieur le Vice Président. La parole à Jean Charrier. Merci Monsieur le Président. Donc concernant la 751, je crois qu'il faut voir deux choses. La 751, il y a l'aménagement, le doublement de la déviation de Port-Saint-Père entre Saint-Léger-les-Vignes et Port-Saint-Père. Donc ça, le département a l'emprise foncière, donc il n'y a pas de souci sur le sujet. Le sujet, ça concerne plutôt entre Port-Saint-Père et le Pont-Béranger. Il faut savoir que le département a pris un engagement de réaliser, enfin d'obtenir une dupe euh, en fin 2021 et de réaliser des travaux en 2024-2026. Euh, mais en attendant, devant la forte accidentologie du, euh, de cette portion de route, il est nécessaire de faire des aménagements, notamment sur les traverses de cette euh, voie, euh, donc qui euh, génère quand même plus de 12 000 véhicules euh, par jour et en période estivale beaucoup plus. Donc il est euh, important de réaliser aujourd'hui des aménagements de sécurité. Et donc il faut faire une première intervention aujourd'hui. Pour réaliser. Et donc, euh, cette action foncière simplifiée va permettre de négocier avec les, euh, le monde agricole et aussi les riverains pour ré réaliser cette cette portion de route. Donc, je crois que euh, cette euh, somme, il faut l'avoir dans sa globalité. Premier aménagement et deuxième aménagement euh, lorsqu'elle sera doublée. La parole au rapporteur. Que, effectivement, suite euh, aux interventions, notamment de M. Beignet, sur l'enveloppe. Effectivement, c'est une enveloppe. Donc, euh, je pense qu'on on va regarder un petit peu les, les travaux qui vont se réaliser. Euh, c'est une autorisation de programme qui s'étale sur quatre ans. Donc, euh, évidemment, on reviendra euh, s'il y a besoin d'avoir des ajustements au sein de ces enveloppes. Donc, euh, trois opérations euh, certaines vont peut-être être moins coûteuses. Donc, nous enlève pas de, de, de rectifier les choses. Donc, Dans un premier temps, euh, les échanges vont se faire. Euh, si effectivement nous avons euh, des euh, aménagements connexes plus importants euh, liés à des créations de haies où, euh, voilà, on pourra tout à fait euh, réadapter l'enveloppe au, au plus juste. Euh, mais euh, sur quatre années, évidemment, euh, il y aura des réajustements euh, à effectuer euh, au sein de cette euh, AP qui. Euh, de 1 million d'euros sur 4 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur 4 ans et que ce n'est pas un, un vote annualisé, bloqué. Donc, on, on pourra y revenir et ça nous donne aussi cette souplesse, tout l'intérêt de faire une AP. Donc, c'est effectivement, ça rejoint la remarque aussi de mon collègue Jean Charrier sur le fait de dire on fait les premiers, premiers travaux et puis après, on, on reverra dans un deuxième temps, ce qui est souvent le cas pour ce type. D'aménagement, mais vous le savez très bien. Merci, je propose de mettre au voie ce dossier. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats. Je suppose que Garcia Meunier est favorable. Oui. <rire> <rire> Une mutinerie dans le groupe Démocratie quarante-quatre de la part du président, c'est rare. <laughs> Merci. Euh... Freddy, euh, je demande à Jean Charrier de bien vouloir se présenter au pupitre pour présenter son dossier. La parole au rapporteur qui a oublié la carte. Voilà, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le dossier concerne la politique vélo. Le département est engagé depuis plus de 20 ans en faveur du vélo. Ainsi, dans la continuité de ses politiques de déplacement, de tourisme et d'activités de pleine nature, le département actionne toutes ses compétences en faveur du vélo, notamment en mettant en action son nouveau schéma des itinéraires cyclables, approuvé par l'Assemblée départementale le 20 mars 2017. Ce nouveau schéma des itinéraires cyclables prévoit la création de cinq itinéraires cyclables départementaux et la finalisation des projets inscrits dans le plan départemental Vélo 2007-2017. Ce nouveau schéma des itinéraires cyclables prévoit notamment... La réalisation de la liaison entre la voie verte Carquefou-Saint-Marlagiaille-Châteaubriand et le Maine-et-Loire. Cette liaison sécurisée a une vocation utilitaire pour encourager le déplacement quotidien à vélo. Je rappelle que les déplacements à vélo représentent 2% globalement des déplacements tout véhicule. Elle desservira les gares. Les différentes gares présentes le long de la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriand pour favoriser l'intermodalité. Cette liaison présente également un intérêt touristique et sportif en permettant la découverte des pays de Châteaubriand, des bases départementales de, Vioraux, de Châteaubri, du pays de Châteaubriand et d'Abarette. Elle permettra aussi d'assurer un maillage avec les itinéraires cyclables déjà existants sur ce projet. Voir voie verte de Rouget, de Carquefou, Saint-Marlajaille, la Vélodyssée, le projet de la voie verte vers Segré et le projet Véloroute numéro 9 vers Saint-Malo. Cet itinéraire de 118 400 km 400 empruntera les routes, des routes peu circulées, des chemins agricoles, des voies vertes à aménager ou des parties de routes départementales. Elle se décompose en deux sections. Une première section de 91 km 100, dont 22 km 100 en site propre, reliant le Maine-et-Loire à partir du territoire de la commune de Villepot et le bourg de Joué-sur-Erne. Une, une seconde section de 27 km 300, dont 3 km 300 en site propre, reliant le bourg de Joué-sur-Erne à la voie verte carquefou saint jaille cet itinéraire a fait l'objet d'une large concertation avec les collectivités locales. Cette concertation a abouti à un avis favorable des collectivités locales, sauf deux collectivités qui ont mis un, émis un avis réservé en raison du passage sur une section de la route RD24 et la RD69. Donc au, au cours des, des études de détail, une attention particulière sera apportée pour assurer la sécurité sur cette portion de départementale. Le coût pour l'aménagement de cet itinéraire est estimé à 5 525 000 euros TTC. Cet itinéraire est inscrit au schéma régional de véloroute et voie verte. Donc, à ce titre, le département sollicitera auprès de la région l'attribution d'une subvention. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur le dossier d'approbation de principe et le dossier technique de cet itinéraire. Je voudrais conclure en saluant le travail des équipes du départemental pour réaliser donc ces différents itinéraires. Une vraie compétence et on a pu le voir encore samedi sur la liaison Corsep-Saint-Brévin. Merci à eux. La parole à Madame Catherine Siron. Monsieur, Monsieur le Président, chers collègues, favoriser la pratique du vélo est une initiative positive pour l'environnement, pour la santé et pour le pouvoir d'achat. Nous soutenons donc les aménagements cyclables permettant de relier la voie verte Carquefou-Saint-Marlaing à Châteaubriant et au Maine-et-Loire, tout en desservant au plus près les gares du tram-train pour favoriser la multimodalité. Cette liaison permettra par ailleurs une desserte des sites d'intérêt touristique et une connexion à la Bretagne. Nous notons que sur les 118 km de voies cyclables créées, seuls 25 sont en site propre. Nous serons donc, comme les communes et intercommunalités, particulièrement vigilants sur la qualité des aménagements réalisés afin d'assurer au mieux la sécurité des futurs usagers. Mais vous avez fait une précision sur ce sujet dans votre intervention. Par ailleurs, pourriez-vous nous donner davantage d'informations pour ce qui concerne le calendrier des opérations pour les deux tronçons retenus D'un côté, la liaison Villepot jouet et de l'autre joué ligné car le rapport n'indique pas euh, ces éléments de planning. Alors je, connaiss... je commençais mon propos par l'intérêt de la pratique du vélo. Je terminerai en précisant que les déplacements routiers sont plus que nous essentiels et nous le rappellerons à chaque fois. Mais en ce qui concerne ce dossier, nous voterons pour. Merci. La parole à madame 4, Karine Fouquet. Merci monsieur le Président. Notre collègue Malika Tararbi ne peut malheureusement pas être avec nous ce matin. Mais je souhaitais ajouter un petit mot car je pense aux deux sites de pleine nature, propriété du département, la base de Viorot et le site d'Abarré, que la mise en œuvre de ce schéma va contribuer à valoriser. En effet, quand on trace un itinéraire, on relie différents points c'est la définition même d'un itinéraire. Mais surtout, quand on développe des pistes cyclables, on peut en dire autant quand on aménage des sentiers de randonnée ce n'est pas qu'une question d'accessibilité. C'est une façon aussi d'ouvrir d'autres voies, d'autres possibilités, d'autres chemins, si j'ose dire. Cela donne de nouvelles idées pour imaginer comment continuer à valoriser et développer les activités de pleine nature, pour vibrer nature, comme nous y invite justement le département jusqu'au 7 juillet, avec les 31 sites sportifs labellisés. Je pense que le tracé de ces itinéraires est parfaitement cohérent avec ces sites remarquables, et je sais par ailleurs que Malika échange beaucoup avec les acteurs locaux pour les associer, alors je tenais à en témoigner. Je voulais également apporter un petit éclairage sur, euh, sur les phases de concertation qui ont eu lieu à propos de cet aménagement cyclable, puisque la première réunion de concertation a eu lieu au mois d'avril 2015, donc euh, après les, les élections départementales. Et je dois dire que c'est un véritable plébiscite de la part des collectivités traversées par cet aménagement auquel nous avons euh, eu droit. Il y a vraiment un réel engouement, euh, comme, comme peut en témoigner l'augmentation de l'itinéraire, de l'aménagement qui était prévu. Et euh, je te remercie, Jean, d'avoir fait, de m'avoir piqué ma, ma, ma chute. <laughs> je voulais faire, on est vraiment un binôme. Je voulais, je voulais aussi témoigner de, de l'inauguration que nous avons eu lieu, euh, qui, que nous avons faite vendredi sur l'itinéraire corset saint et remercier aussi tous les agents du département pour, pour le travail effectué. Merci. Un très beau tandem, en quelque sorte. La parole à Stéphane Bouger. Oui, je vous prie de m'excuser parce que je ne résiste pas à la tentation. Tu as dit, Jean, que ça coûterait un peu plus de 5 millions d'euros. Je voudrais rappeler que la contournante sud de Saint-Philbert, c'est aussi le, le même montant. Donc, euh, il faudra y penser le moment venu. Alors, c'est plus effectivement pour euh, les, les poids lourds et les scolaire scolaires, notamment l'objectif de, de ce contournement de la ville de Saint-Philbert. Mais on aménagera évidemment les, une liaison pour, pour les vélos le moment venu. Mais c'était juste pour vous rappeler des fois que vous auriez un petit peu oublié qu'il va falloir euh, agir. Voilà. La parole à Françoise Améon. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais effectivement remercier Jean, parce qu'après cette inauguration de, de vendredi soir très sympathique, effectivement, entre Corset et, et saint brévin eh bien, aujourd'hui, il nous présente la mise en œuvre de, du schéma des itinéraires cyclables départementaux, et en particulier euh, cette liaison cyclable entre la Voie Verte, Carquefou, Saint-Marlaja et Châteaubriand et le Maine-et-Loire. Vous savez bien sûr, la politique touristique a toujours placé le développement de la pratique du vélo au cœur de l'ensemble de ses actions, et encore aujourd'hui, puisque ce projet de liaison cyclable, pardon, présente bien évidemment un intérêt touristique très important. Il permettra, tu l'as rappelé Jean à l'instant, aux adeptes du slow tourisme de découvrir le cadre exceptionnel de Vieux-Raux, de profiter de sa base d'activité ou encore de, de la commune d'Abaret. Je me réjouis d'autant plus euh, que cet itinéraire il passe par le pays de Chateaubriand, euh, qui recèle un certain nombre de pépites et qui ne sont peut-être pas toutes suffisamment aujourd'hui mises en valeur. Cet itinéraire, il permettra d'arpenter des paysages qui sont extrêmement verdoyants, de découvrir des lacs, des étangs, des forêts qui euh, entourent ce trajet, ou encore le patrimoine historique et industriel très dense euh, qui euh, le parcourt, comme les mines de fer ou encore les forges, et en faire une destination euh, qui permet d'en faire une destination propice à la déconnexion, au bien-être, au ressourcement ou encore au dépaysement. La mise en place de cet itinéraire, il permettra aussi de valoriser le patrimoine naturel et historique, je l'ai dit, en faisant bénéficier les acteurs du tourisme du pays de Chateaubriand d'un certain nombre de retombées économiques sur cette notion justement de tourisme, d'autant plus qu'il permet de relier le réseau cyclable de Loire-Atlantique à ceux de la Bretagne et ceux du Maine-et-Loire. Mais euh, sachez qu'en Loire-Atlantique, ce sont quand même 61 des habitants cyclistes de Loire-Atlantique qui parcourent aujourd'hui les pistes cyclables, ce qu'on appelle des habits cyclistes. Avec ces 118 km qui se rajoutent aux 1500 km d'itinéraires cyclables aménagés, deux itinéraires européens majeurs, la Loire à vélo et la vélo dont la fréquentation ne cesse d'augmenter, et bien sûr la Vélo-Océan, la Loire Atlantique reste et s'inscrit durablement comme un territoire de référence en matière de vélo. La parole au rapporteur. Je vais euh, remercier donc, Karine euh, et, et forcément euh, Françoise, euh, effectivement, euh, sur euh, ce qu'ils viennent de témoigner. Je voudrais simplement rappeler que euh, sur la Loire à vélo, c'est environ 80 000 euh, utilisateurs euh, par an. Hein, et euh, en moyenne, sur les itinéraires euh, départementaux, c'est de 45 000 à 50 000 euh, vélos par an, utilisateurs. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et euh, on peut constater les utilisations, j'entendais euh, euh, justement entre Corsep et Saint-Brévin euh, des gens dire, bah, tiens, on va pouvoir aller au travail à vélo. De Corsep aller à Madin, des gens qui travaillent donc à l'hôpital de Madin. Et donc disaient, on va pouvoir utiliser cet itinéraire à vélo. Donc c'est plutôt une, une bonne chose. Et c'est vrai que la qualité sur cet itinéraire de travail est vraiment une très bonne qualité, surtout en site Natura 2000. Pour répondre effectivement à Catherine Siron, donc simplement 25 km. Donc ça a été en voie, euh, en, voie en site propre euh, sur les 110. Donc euh, ça a été une large concertation, ça a bien été dit euh, aussi euh, tout à l'heure et euh, Karine euh, l'a euh, évoqué. Et concerté avec toute, cette concertation a été réalisée avec toutes les collectivités locales. Donc il y a un accord, je disais, il y a deux collectivités locales qui ont mis un avis réservé du fait du passage sur la, les, les deux RD que j'évoquais tout à l'heure, hein, la RD 24 et la RD 69. Mais là, dans les études de détail d'aménagement... Là, une attention particulière sera euh, donc euh, euh, mise sur ces secteurs-là. Euh, je crois que le département a tout intérêt euh, à mettre en place pour sécuriser les déplacements euh, doux euh, sur ces voies-là. Donc, ça sera mis en œuvre et euh, bien évidemment, il y aura la concertation aussi euh, avec les acteurs locaux, ce qui me paraît euh, indispensable. Je ne voudrais pas répondre à Stéphane, mais je vais, juste simp je vais simplement lui dire à Stéphane. J'attends la réponse des deux collectivités locales sur la proposition faite depuis quelques mois. Point. Je m'arrête là. C'était tentant. Euh, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ah, Jean Charrier n'a pas voté, c'est dommage. <laughs> On suppose qu'il est favorable. Comme Anne-Sophie Doué, j'imagine. Oui, c'est un petit peu votre territoire. Le nord. Voilà, donc merci Jean. Euh, je demande à madame Christine aurin de bien vouloir venir présenter le dernier dossier de la matinée. De la matinée. La parole à Madame la rapporteure. Bonjour à toutes et à tous. Le dossier que j'ai à vous présenter ce matin concerne des travaux dans les collèges publics. C'est un sujet qui revient souvent à l'ordre du jour. Comme vous le savez, au nombre de collégiens que nous accueillons, toujours plus nombreux chaque année, nous devons à la fois répondre à des problématiques d'accueil, mais aussi dans le même temps à des problématiques de réhabilitation énergétique et de travaux de modernisation dans l'ensemble de notre parc de collèges du département. Alors trois collèges sont concernés dans le dossier que je vous présente ce matin. Le premier c'est le collège Rosa Park situé à Clisson. Ce collège, pour mémoire, a ouvert, a accueilli ses premiers collégiens à la rentrée 2015. Pour, il avait pour une capacité de 500 élèves. Euh, capacité euh, qui a été euh, assez vite dépassée. Et euh, au regard du marché que nous avons avec euh, cette construction de collège, qui était un marché, le premier marché que nous avons eu de conception-réalisation, qui avait intégré euh, dès l'origine euh, une possibilité d'extension, euh, il nous est apparu euh, important de faire jouer cette tranche conditionnelle pour l'extension euh, du collège et le passer ainsi à 24 divisions, euh, qui concernent euh, trois salles banalisées et une salle de sciences supplémentaires. Donc, je vous demande d'approuver le budget d'extension de, de ce collège, hein, d'un montant euh, toute taxe comprise de 850 000 euros, euh, pour euh, que les travaux puissent se réaliser et euh, être, euh, que le collège puisse accueillir euh, le plus de collégiens euh, dès la rentrée euh, 2019. Ensuite, les deux autres dossiers concernent, d'une part, la réhabilitation énergétique du Collège Jacques Brel à Guérande, pour lequel on a voté une enveloppe de crédit d'un million cinq, mais qui, suite à des mises en évidence lors des études d'avant-projet définitifs, ont fait apparaître la nécessité d'intervenir sur les fondations existantes et le remplacement d'un préau existant qui était vétuste, donc nécessitant une augmentation de l'enveloppe de 150 000 euros. Euh, par jeu d'utilisation des enveloppes, compte tenu que l'ensemble de l'enveloppe qui avait servi euh, aux travaux de réhabilitation du Collège de Nausée n'était pas intégralement utilisée, euh, nous euh, donc faisons un transfert euh, de, de fonds euh, du Collège de Nausée, où ce n'a pas été utilisé, vers le Collège euh, de, de Guérande. Pour rappel, il s'agit donc d'une réhabilitation énergétique euh, qui s'inscrit dans la politique transition énergétique que porte le département. Et de, la, et de sa mise en œuvre d'une politique climat-énergie. Il faut savoir que pour reprendre le collège de la reine pour lequel nous avons terminé les travaux l'an passé, dès la première année, le gain énergétique était de près de 40 donc d'où l'importance de continuer dans ces démarches-là. Puis je rappelle aussi que euh, j'ai décidé donc que tous les collèges qui bénéficieraient dans le futur de réhabilitation globale, comme le collège de la Ville-aux-Roses et celui de Blain, euh, aurait en même temps que les travaux de, de rénovation une réhabilitation euh, énergétique. Ça me semble important et tout à fait à l'ordre du jour. Et puis, euh, le troisième dossier, c'est un de, dossier qu'on présente très souvent lors des constructions euh, de nouveaux collèges, euh, c'est la part euh, de financement pris par le département concernant euh, les aménagements. Euh, aux alentours du collège, qui sont euh, sous maîtrise d'ouvrage d'une commune ou d'une intercommunalité, et pour lequel nous intervenons euh, sur ces travaux euh, d'accueil, qui sont souvent des parkings ou des parvis de collège ou accès pompiers, à hauteur euh, de 80% d'une dépense maximale de 1,875,000, soit 1,500,000. Donc euh, voilà, Donc, c'est trois dossiers pour lesquels je vous demande euh, de valider aujourd'hui euh, euh, ces, ces montants. S'agissant, là, on a vraiment typiquement trois dossiers qui nous occupent quotidiennement au département pour apporter un meilleur accueil à nos collégiens. Et puis rajouter aussi que, en termes de capacité d'accueil, nous avons le département lancé une étude de prospective en début d'année qui part de rosé jusqu'à Pornic pour que nous puissions avoir une vision à peu près, j'ai envie de dire à peu près précise des évolutions d'effectifs attendues dans les années à venir pour pouvoir, euh, des, pour, via des décisions que nous aurons à prendre, euh, de voir comment euh, nous pourrons euh, euh, apporter plus de confort euh, au Collège du ce sud de Loire. Voilà ce que je pouvais dire sur le dossier que j'ai à présenter ce jour. La parole à Madame Catherine Siron. Mmh. Monsieur le président, madame la vice-présidente, nous voterons ce dossier parce que l'éducation doit être une priorité de nos politiques publiques et que l'une de nos missions est d'offrir à nos collégiens de bonnes conditions de travail. Les dossiers présentés aujourd'hui pour les collèges de Clisson, Guérande et Vertou vont dans ce sens. Néanmoins, je veux souligner à nouveau aujourd'hui la nécessité de revoir largement nos prospectives pour répondre le plus en amont possible aux besoins qui s'expriment partout dans nos cantons face à la progression de la démographie et de la population scolaire notamment. Le dossier du Collège Rosa Parks de Clisson est assez révélateur de cette difficulté d'anticipation de notre collectivité. Si le procédé de construction mis en place permet de répondre rapidement, besoin, il n'en est pas moins que ce collège ouvert à la rentrée 2015 doit aujourd'hui faire l'objet de travaux pour passer de 20 à 24 divisions. Nous mesurons évidemment la difficulté de disposer de chiffres fiables et de prévisions solides. Après Éric, Ligné, Sainte-Pazanne, pour ne citer que, c'est au tour du collège de Clisson de devoir être agrandi. Et pourtant, nous avons en interne un service prospectif. Il y a donc un énorme travail à réaliser sur les prévisions d'effectifs. Cela n'est pas simple, je le rappelle, mais il nous semblerait très utile de partager avec la métropole nantaise, avec la région, avec l'inspection académique, nos outils prospectifs pour disposer de données objectives, partagées et opposables à tout le monde. Si nous avions un outil partagé, encore plus poussé, les décisions prises seraient mieux comprises et donc mieux acceptées par nos concitoyens. Je note à ce titre que dans le cadre de ces réflexions, la région a fait appel à un sociologue pour étudier non seulement les données chiffrées, mais également les comportements des habitants et des nouveaux arrivants dans la région pour mieux comprendre leur choix de lieu de vie. Face à ces, prév à ces prévisions qui ont été... En en tout cas, sur un temps erroné pour le, le département, pouvez-vous nous indiquer les outils et les procédures que vous comptez mettre en place? je vous remercie. monsieur patrick girard. oui, merci, monsieur le président, madame la vice-présidente, chers collègues. Alors, dans le prolongement de l'intervention de ma collègue catherine siron, je peux témoigner à nouveau devant vous de l'exemple du collège jean mounès de pornic. Depuis mon élection en 2007, je ne cesse de communiquer et d'apporter des chiffres qui sont largement supérieurs aux prévisions conjointes département inspection académique. À force de refuser d'écouter ce que nous disons, nous en arrivons à des situations de saturation extrême. Depuis votre élection en 2015, vous avez pris conscience madame la vice-présidente du problème et des travaux d'extension et de modernisation ont été entrepris et on ne peut que vous en remercier. Ainsi que le président et le département. Néanmoins, ces interventions ne règlent pas les difficultés liées aux effectifs et au manque d'anticipation de leur évolution. L'étude menée en 2012 sur le secteur du Pays de Ré ouest prévoyait pour le collège Jean Mounès 650 élèves à la rentrée de 2018 et une diminution constante des effectifs jusqu'en 2023. La réalité, suite au conseil d'administration de vendredi dernier, ce sont plus de 800 élèves qui sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine, soit une sous-estimation de 150 élèves. Je le redis, chaque territoire est différent et les prévisions ne peuvent pas seulement prendre en compte les élèves de primaire scolarisés dans les communes de rattachement de tel ou tel collège. Les périmètres scolaires sont évidemment une source importante. Mais dans des secteurs comme le littoral, où les prix du foncier sont relativement élevés, les nouveaux arrivants ne sont pas majoritairement des familles sans enfants ou avec des jeunes enfants, mais des familles avec des adolescents qui viennent dans nos territoires pour une deuxième ou une troisième acquisition immobilière. Les primo-accédants éprouvent des difficultés à devenir propriétaires dans nos secteurs. J'ajoute que nos territoires littoraux et le pays de Ray en particulier sont démographiquement très dynamiques. Entre 1999 et 2011, lorsque la population de Loire-Atlantique progressait de 1,1%, elle progressait de 2,2% sur notre territoire. Sur la période 2011-2014, quand la population augmentait de 1,3% dans le département, elle augmentait de 1,5% dans le pays de Ray. Or, ces éléments ne sont jamais pris en compte dans vos perspectives. Madame la vice-présidente, vous en avez parlé. En octobre 2017, au moment de la DM3, vous nous aviez indiqué que le Sud-Loire, au regard de sa dynamique démographique, ferait l'objet d'une nouvelle étude sur les effectifs prévisionnels. Et on peut se réjouir que cette nouvelle étude se trouve engagée. Ces conclusions seront connues dans le courant du second trimestre. Pourriez-vous nous dire, nous préciser, les critères que vous avez retenus pour estimer les prévisions d'effectifs Par ailleurs, vous évoquiez le lancement d'une réflexion sur la sectorisation des établissements publics. Pourriez-vous nous indiquer où en sont vos réflexions sur ce point Et nous préciser plus globalement la manière dont vous comptez associer les élus des territoires concernés qui connaissent mieux que quiconque les dynamiques de leur commune. Je vous remercie. La parole à Jérôme Alemani. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, euh, on peut regarder ce, le dossier que vous nous présentez comme un dossier technique, et en fait, je pense qu'on doit plutôt parler de, de réussite euh, éducative. Euh, je veux insister sur le lien qui existe, de mon point de vue, entre la qualité euh, des bâtiments, des établissements, la qualité de vie pour les collégiens, mais aussi toutes les équipes, équipes éducatives, équipes administratives, équipes techniques, nos propres agents. Euh, ce lien avec euh, également l'attractivité, le rayonnement euh, des établissements et donc la réussite scolaire. J'en veux pour preuve un, un établissement que nous connaissons bien avec ma collègue Abbasia Hakem. Euh, C'est celui du euh, Collège de Chantenay. Euh, sous le mandat précédent. Euh, euh, près de 10 millions d'euros ont été investis pour euh, agrandir et moderniser ce, euh, ce collège qui était euh, vétuste, il faut le dire. Euh, Aujourd'hui, euh, les élèves et les enseignants disposent d'un équipement qui est à la fois euh, plus grand, plus esthétique, plus plus fonctionnel et ça a eu des effets euh, sur euh, le périmètre, au sein du périmètre. Euh, notamment, les, tous les élèves euh, des euh, familles qui habitent des quartiers centraux de Nantes ont regardé différemment euh, cet établissement et je dirais le taux de, de captation de ces élèves a, a considérablement augmenté. Les effectifs euh, aussi. Et évidemment, la mixité a été euh, tirée vers, vers le haut. Euh, les effets de ces investissements se, se retrouvent euh, dans la réussite scolaire, puisque le taux de réussite au brevet, euh, qui déclinait avant ce, cet investissement, a gagné 5 points entre 2015 et 2016, avec plus de 82% de réussite, hein, ce qui nous place parmi euh, le, le, le premier tiers des établissements au, au plan national. Donc, moi, évidemment, je gage que. Les travaux qui seront réalisés dans les collèges de Clisson, de Sainte-Luce et de Guérande produiront les mêmes effets, peut-être voilà, au sein des périmètres et avec, avec peut-être l'enseignement privé. Un dernier point, moi je, je veux souligner que le rapport que vous nous proposez souligne a posteriori le bien fondé du recours au marché de conception-réalisation a été engagé lors du mandat précédent et qui donc vont permettre le, la mise en œuvre rapide d'une extension en moins, de, en moins de 15 mois au sein du, du Collège de Clisson. En tout cas, moi, je me félicite que le département continue à investir dans la modernisation et le développement des bâtiments au service de la réussite éducative. La parole à Fabienne Padovani. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'abord, une première remarque, en fait, pour me réjouir et pour que nous nous réjouissions d'avoir, en fait, une population scolaire qui augmente. Parce que. Si cela demande effectivement du travail, de l'ajustement, des besoins de prospectif, de prospectif fort, un gros travail à venir sur la sectorisation qui, il est vrai, est sujette à bien des discussions et des échanges. Et j'ai souvenir d'un débat pas si ancien que ça avec Madame la vice-présidente sur les collèges du premier canton et des enfants du premier canton. Je voudrais quand même souligner que ce débat, on l'a parce que notre département, il est attractif. Il est parce qu'il y a des familles qui viennent. Tu l'as dit, Patrick, des familles qui viennent et pas des familles qu'avec des enfants petits, des amis dont c'est le deuxième et troisième achat, avec euh, des adolescents et plus tard des familles qui euh, pourront aller aussi euh, au lycée et à l'université. Et c'est vrai que ce travail, il est important. Et moi, ce matin, ma, ma, mon intervention, elle est pour, euh, en termes de remerciements, remerciements tout euh, d'abord à la, à la vice-présidente, mais aussi remerciements aux services qui ont ce travail au quotidien, j'ai envie de dire, de dentelle, euh, même euh, de point de croix, où euh, on est vraiment... Euh, au plus juste pour essayer de trouver et de chercher à ce que chaque enfant puisse avoir une scolarité euh, comme il doit l'avoir, avec confort, place, place à vélo, bus qui y vont, euh, Carlila, en a, en, qui ne soit euh, ni en avance euh, ni en retard, et salles de restaurants scolaires aussi, qui, peut y, qui peuvent accueillir les enfants. Donc pour ce matin, ben moi je me réjouis de voter ce dossier, je me réjouis parce qu'il part du quotidien, ce quotidien si important pour les habitants et les habitantes. Pour ce dossier pragmatique et qui sait aussi euh, s'adapter aux besoins. On le voit effectivement, 2015, ben voilà, Clisson, c'est trop petit, mais on rajoute, on s'adapte, on est pragmatique. Et ça, je voulais vous en remercier, Madame la vice-présidente. La, la parole à Jean-Luc Beignet. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Bon, je, je rejoins les propos de Jérôme Ale Alemani tout à l'heure dans sa conclusion. Bien évidemment, je me réjouis aussi que les départements donc, investissent pour l'éducation de nos jeunes. Et puis, ça a été dit par Catherine Siron. Donc, la prospective, c'est un exercice difficile. Alors, cependant, Madame la Vice-présidente, je voudrais attirer l'attention sur le collège Paul Doumer, collège pour lequel ici dans cette assemblée nous avons voté sa reconstruction. Euh, Aujourd'hui, c'est 620 élèves. Sachant que la commune de petit mar dont je suis maire, est une commune à variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'il euh, y a une partie qui est euh, des élèves qui sont reversés vers le collège Agnès Varda et l'autre partie sur le collège Paul Doumer. Or, bien évidemment, c'est un exercice assez compliqué pour les maîtres de CM2 parce qu'ils doivent travailler dans le cadre des passerelles avec les deux des établissements. Alors, cependant, donc euh, la vocation, c'est qu'à terme, c'est qu'à terme que euh, l'école Guillaume passant donc euh, aille sur son bassin de vie qui est plutôt donc euh, Paul Doumer. Et rejoignent. Et ça, c'est prévu donc suite à la reconstruction. Donc euh, mon intervention, c'est pour éviter, comme ça a pu être dit euh, tout à l'heure précédemment, qu'on retombe sur des travers, c'est-à-dire qu'une mauvaise évaluation, et que dès euh, la rentrée, dès Lorsque les élèves reprennent possession de ce nouveau bâtiment, il faille y remettre des modulaires, comme ça a pu être le cas, alignés. Donc, Madame la Vice-présidente, ma question est toute simple. Euh, Aujourd'hui, c'est prévu donc, une reconstruction donc, pour un établissement à 24 divisions. Euh, ne serait-il pas donc, assez sensé éventuellement d'imaginer peut-être 28 divisions pour anticiper donc, cet afflux de, de population Voilà, merci. Raison, chers collègues, la, la prévision est un art euh, difficile, surtout quand il s'agit d'avenir, disait Pierre Dac. La parole à Stéphane Baugé. Oui, monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec le, le propos que, que vous venez de tenir. Pour autant, c'est vrai que euh, ces derniers mois, on a été frappé par le fait que, notamment sur la région des Pays de la Loire, on avait constaté, puisque j'avais participé aux travaux du collectif pour un lycée public en Sud-Loire, les difficultés d'appréhension du sujet. Et c'est vrai que l'ancienne majorité régionale avait sans doute mal, mal appréhendé la question du Sud-Loire en termes d'accueil de lycée public, puisqu'on est à plus de 6 000 lycéens en termes de saturation, et que les décisions récentes qui ont été prises, à la fois sur, sur Vertou et Saint-Philbert de Grandlieu, vont d'ici quelques années, pouvoir apaiser les choses, mais il y a quand même quelques années un delta à tenir. Alors c'est vrai qu'on voit qu'on a cette volonté politique qui s'exprime dans le département, qu'a rappelé Jérôme Alemani notamment, mais qu'on a aussi cette difficulté d'évaluation. On l'a aussi dans nos communes, il faut dire les choses, du département de la loi atlantique, d'aider les communes encore sur les écoles. Nous ne sommes plus sur notre champ de compétences et pour autant, nous accompagnons les écoles et c'est d'autant plus important à un moment où on voit que les montages financiers, pardon de parler de Saint-Philbert une fois de plus, mais je vois sur Saint-Philbert dans le mandat, c'est 3 millions d'euros d'investissement, 500 000 euros de soutien du département et 500 000 euros de l'État. On va arriver grosso modo à 38% de soutien financier euh, des, des principaux partenaires sur euh, sur 100%. Donc euh, moi je me réjouis aussi que le département euh, continue euh, à aider. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi encore en Loire-Atlantique sur euh, sur les écoles publiques. Et donc euh, j'espère que ces, ces soutiens euh, financiers euh, perdureront. Et puis comme je le disais, je souhaite évidemment qu'on puisse améliorer euh, les prévisions parce que il se trouve aussi, Monsieur le Président, pardon pardon, qu'il y a aussi des équipements sportifs dans nos communes et qu'il faudra non seulement accompagner les écoles, mais aussi continuer d'apporter de, des solutions à celles et ceux qui considèrent que, que le sport, c'est quelque chose d'important dans toutes les communes de l'Ourad-Atlantique. La parole à Michel Ménard. Je partage, je partage le point de vue de Fabienne Padovani. Je pense qu'il faut plutôt se réjouir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut mieux être confronté à la nécessité de construire de nouveaux collèges ou à en agrandir certains plutôt que d'être obligé d'en fermer faute d'effectifs. Et il y a des départements qui sont plutôt confrontés à la deuxième hypothèse. Et donc, pouvoir. Euh, enfin, devoir construire, agrandir pour accueillir de nouveaux collégiens, c'est la preuve de, du dynamisme de notre département, que nous retrouvons aussi euh, sur d'autres secteurs d'intervention, y compris. Euh, quand on parle budget, ça montre que notre département est attractif. Maintenant, ce n'est pas sans poser quelques difficultés et la réponse, dans tous les départements d'ailleurs, c'est la même. Les réponses sont multiples. Il y a des réponses qui relèvent de la carte scolaire, donc modifier les périmètres de recrutement pour que chaque élève puisse être accueilli. Et nous savons que dans ce département, nous avons plus de places que d'élèves. Le problème, c'est que les places ne sont pas toujours euh, au bon endroit. Et euh, parfois, euh, la réponse euh, de la carte scolaire est possible. Dans d'autres cas, c'est plus difficile parce que quand on a des établissements éloignés de, des secteurs où nous avons des effectifs euh, en augmentation, c'est plus compliqué. La réponse, c'est aussi l'agrandissement. Nous le faisons régulièrement. Je pense que nous avons... Euh, euh, nous avons, il n'y a pas si longtemps, euh, décidé l'agrandissement de saint pazanne par exemple, euh, qui est une des réponses, et Pornic également, qui est une des réponses, sans doute n'est-ce pas suffisant sur une partie du territoire. Et puis la troisième réponse, euh, c'est la construction. Rappelons quand même que nous avons livré cinq collèges neufs ces trois dernières années. Euh, donc ce n'est pas rien, y compris Clisson. Mais cinq euh, trois euh, collèges cinq euh, collèges neufs livrés, c'est euh, quand même important. Ça montre que l'anticipation était là, justement. Et l'anticipation, c'était aussi de, de se dire que peut-être euh, la, la taille de l'établissement ne serait pas suffisante. C'est la raison pour laquelle était prévue, euh, dans le cadre de la conception réalisation, une tranche conditionnelle. Une tranche conditionnelle qui permet de s'adapter rapidement, d'augmenter les effectifs de l'établissement et d'avoir aussi un équipement qui n'est pas dénaturé par l'apport de modulaires que nous sommes obligés de faire parfois. D'ailleurs, aligner, ça s'est fait par l'apport de modulaires, mais quand on va dans le collège, on ne voit plus où, est le, où sont les modulaires parce qu'ils ont été... Euh, adapté euh, à l'architecture en, en accord avec euh, l'architecte, d'ailleurs. Et donc, c'est une, une réponse qui me paraît euh, satisfaisante. Ça ça, ça, ça veut dire simplement qu'il faut euh, en permanence regarder l'évolution des effectifs euh, au niveau du département, bien sûr, au niveau de l'inspection académique aussi. Et euh, c'est vrai que nous devons... Euh, reconnaître qu'il faut toujours rester très modeste sur ce sujet, parce que tout le travail qui peut être fait avec les services d'urbanisme des différentes collectivités montre que nous n'avons pas toujours une réponse juste, même si le travail prévisionnel est fait de façon très sérieuse, et notamment parce que tout ce qui se construit dans le diffus est parfois difficilement appréhendable. Quand il y a euh, des actes qui sont euh, élaborés, des projets de construction bien définis dans un secteur, on peut estimer plus facilement l'évolution des effectifs. Mais la division de parcelles, euh, les constructions dans le diffus, ça c'est parfois euh, moins mesuré. Moi, en tout cas, je, je suis évidemment favorable à ce, à ce dossier et je me félicite euh, que nous soyons extrêmement réactifs. Et pour moi, c'est pas euh, finalement une erreur d'avoir construit à 20 divisions et deux ans après l'ouverture, ou deux ans et demi, presque trois ans, décider l'agrandissement, c'est plutôt que nous avions envisagé cette hypothèse d'avoir besoin de construire et simplement il faut qu'on tire les enseignements de... De ces projets-là pour se dire que nous devons regarder pour les années prochaines quels, sont, quels vont être les besoins et avoir cette même souplesse, y compris avec des tranches conditionnelles. Merci. Merci, je n'ai plus de demande de parole. Mon voisin qui est Jérôme Ali, fort branché sur le numérique, a tapoté simplement fermeture de collège sur sa tablette et c'est impressionnant la liste des départements ferme ferment des collèges, trois dans la Somme, deux dans le Calvados, on y réfléchit dans la Sarthe, dans le Maine-et-Loire. Ce n'est pas effectivement notre préoccupation. Madame la rapporteure. Oui, pour rebondir sur vos propos, Président, je dirais qu'on peut que se féliciter parce que d'être dans un département dynamique, parce que d'abord sur les répercussions sur l'emploi déjà sur le niveau de vie des habitants. Donc c'est une bonne chose et effectivement on ne peut que s'en féliciter. Alors après, 1000 collégiens de plus chaque année, ça oblige à des négociations chaque année avec l'inspection académique pour voir comment on va faire au mieux pour que tous les jeunes collégiens du département puissent être accueillis dans des conditions maximales de réussite éducative, comme l'a dit M. Alemani, mais aussi puisse se sentir bien dans un établissement scolaire parce que c'est important de trouver sa place et d'être bien dans son établissement scolaire surtout je le dis souvent dans ces années d'adolescence qui ce que sont les années collège donc oui chaque année nous avons avec le directeur d'académie plusieurs rencontres plusieurs points sur comment comment lui doit, où doit-il ouvrir des classes parce que c'est vrai aussi que ben, on a un travail en parallèle on a un travail de prospective également en parallèle qu'on essaie de croiser chaque année, qui nous montre bien que ce n'est pas une science exacte, parce que euh, ben, d'une année sur l'autre, on ne tombe pas, franchement, on n'est pas toujours sur les mêmes, les mêmes euh, euh, effectifs de rentrée, donc on essaie euh, les uns et les autres d'essayer de trouver euh, ben, la bonne mesure, et puis nous sommes aidés en cela par un service prospective au département que beaucoup de collectivités nous envient. C'est un travail énorme qui est fait. Nous avons une personne dans ce service-là que j'ai rencontrée dernièrement et que je vais rencontrer dans les mois à venir. J'aurai l'occasion d'en échanger avec vous sur justement ce que nous, le nombre de personnes et le nombre de collégiens que nous attendons dans les années à venir. Donc, des gens dont c'est le métier de d'aller au plus près. De, il y a l'évolution, il y a les familles qui arrivent, et c'est aussi comment on voit, on, est, on apprécie l'évolution économique de ce département, parce que un département qui est dynamique, il faut qu'on regarde les permis de construire, les fréquentations au niveau du primaire, mais aussi euh, les performances économiques qui sont attendues dans les années à venir, et on sait qu'elles sont importantes, et tant mieux, nous pouvons que nous en féliciter. Alors. Pour revenir sur les places de collège, un chiffre nous avons 47 810 places dans les collèges de Loire-Atlantique et nous accueillons à ce jour 41 503 collégiens. Donc, on peut dire qu'on a un reliquat de 6 000 places de disponibles. Après, euh, comme on dit certains, il faut qu'elles soient au bon endroit. Mais plus que ça, parfois elles sont au bon endroit, mais parfois sur l'outil de sectorisation, qui est de la compétence du département, nous avons du mal à infléchir euh, certains responsables politiques locaux qui souhaitent que leurs enfants soient dirigés vers un collège plus qu'un autre, alors que nous leur conseillerons plutôt d'aller vers un collège où il y a de la place, mais ils préfèrent que ça suive le mouvement des parents chaque matin. Et donc c'est tout le travail que nous devons faire, puisque toute sectorisation, et ça je peux vous le confirmer, ne se décide qu'avec euh, une concertation avec les élus locaux. Euh, cette année, nous travaillons sur la sectorisation, euh, nous revoyons la sectorisation de Reuset. Puisque nous sommes saturés sur Rezé, mais à disponibilité de certains euh, jeunes collégiens qui habitent sur le secteur du Sud-Loire, pourraient être dirigés vers Saint-Philbert-de-Grandlieu où il y a de la place. Après, ce n'est pas forcément la volonté des élus locaux. Donc nous y travaillons pour faire comprendre qu'être accueilli dans un collège neuf, c'est quand même plus agréable pour un élève de... qui, pour... qui peut poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions. Oui, nous avons des collèges où il y a de la place qui pourraient accueillir, mais il n'y a pas de volonté. De, on joue sur les dérogations. Vous savez très bien, il y a multiples moyens d'éviter une sectorisation. Hein. On, on, elle est imposée, mais les, les moyens d'évitement d'une sectorisation sont nombreux et il y en a dont c'est un peu le métier de euh, calculer ça. Donc, euh, en même temps, il y a des points de tension. Il y a réellement des points de tension. Donc, j'y suis vigilant, notamment sur le collège de Pornic. Oui, nous sommes vigilants et je suis en relation étroite avec M. Caillou, le principal du collège, qui est quelqu'un qui euh, vraiment fait le maximum pour accueillir euh, les élèves. Nous avons donc des, très vite décidé une extension et la pose de modulaire pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Mais euh, nous savons que sur le Sud-Loire, nous avons des points de tension. Nous en fait une extension à Sainte-Pazanne qui va porter le collège à. À une capacité d'effectifs qui est à la limite de l'acceptable, hein, donc on ne pourra pas aller plus loin. Mais nous avons aussi dans le Sud-Loire des collèges où on est en recherche d'effectifs, hein, comme Le Pèlerin, comme Pimbœuf. Euh, euh, donc des collèges où euh, certains, on voit bien qu'il y a des sectorisations qui ne sont pas respectées. Donc nous devons aussi avoir un point de vigilance. Oui, euh, il y a de la place un peu partout sur le département, mais euh, il y a un problème d'équilibre à faire et à jouer et à faire entendre par les, les élus locaux. Donc, Mais nous y travaillons. Le service prospectif travaille en lien avec les autres collectivités. Nous travaillons en lien très étroit avec la métropole d'Antès, puisqu'on constate en effet ces dernières années une hausse des effectifs dans les collèges sur la métropole, mais surtout une hausse qui part du primaire. Et nous savons très bien que les élèves du primaire ont vocation à devenir des collégiens et que c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a aussi dans les, vie, dans les décisions de vie des familles un petit revirement, c'est-à-dire des familles qui, avec des jeunes enfants, recherchaient plutôt les premières ou deuxièmes couronnes, qui aujourd'hui restent en centre-ville parce que euh, l'habitat et les constructions le permettent. Et euh, on voit bien que la ville de Nantes, d'ailleurs, a pris la décision euh, de faire des extensions et de construction de nouvelles écoles qui euh, est bien, sont est bien la preuve d'une un, nouvelle population avec de jeunes enfants et qui sont donc en vocation pour devenir des collégiens. Donc nous savons aussi euh, et nous travaillons étroitement avec la ville de Nantes pour euh, retravailler euh, nos collèges, notamment euh, situés à l'ouest de l'agglomération. Avec la région de même, euh, j'ai rencontré plusieurs fois euh, les responsables de la région ces derniers mois et nous avons échangé et je peux vous dire que c'est la région qui, a, qui nous, nous envie sous nos, nos services de prospective et que donc nos services de prospective région-département ont eu beaucoup de relations ces derniers mois pour essayer, pour qu'on puisse... Euh, disons, croiser les effectifs des collégiens et des lycéens. Ce travail est fait, c'est un travail de fond que je suis très régulièrement et qui est fait euh, d'une manière, alors évidemment, plus... qu'on essaie d'être le plus précis possible. Et comme vous le dites tous et toutes, c'est vrai que ce n'est pas forcément une science exacte et que suivre les populations, c'est quand même un exercice qui reste compliqué et qui restera compliqué. C'est la raison pour laquelle euh, nous préférons construire aujourd'hui les nouveaux collèges. Euh, suivant des méthodes qui nous permettent, comme l'a rappelé Michel Ménard, euh, qui, qui, qui était euh, à l'éducation quand il a pris cette décision-là, qui était une sage décision, en effet, c'est-à-dire de construire en disant, en ayant en arrière-pensée, on construit raisonnablement, mais on prévoit dans le contrat. Une extension, tout au moins dans le bâtiment. Le bâtiment est conçu de telle sorte à ce qu'on puisse, sans grande difficulté, venir y apporter une extension sans que ce soit compliqué. On n'a pas besoin de la faire, on ne la fait pas, mais on a besoin. Les outils sont là pour euh, euh, qu'elle puisse intervenir euh, dans des délais très courts et, euh, et d'une manière sans perturber l'architecture général, générale de l'établissement. Euh, voilà, sur, euh, bon, sur des coins, je ne vais pas répondre plus précisément sur Nord-sur-Erne. Oui, il est, il, on part aujourd'hui sur... C'est un collège aujourd'hui euh, né, nécessitement... Y a, enfin, nord sur a besoin d'accueillir minimum 24 divisions, c'est ce qu'on a prévu. Mais pareil, on a prévu déjà une, une possibilité de l'étendre à 28. Euh, donc, euh, on a déjà anticipé euh, euh, des, une montée future des, des effectifs sur, cette, euh, sur ce coin du département qui est très attractif également. On est bien d'accord. Voilà, sur cette étude de, de prospective, elle est en cours. Euh, je l'ai voulu la plus large possible pour avoir une vue générale de l'ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parte de Rosé et qu'on aille jusqu'à Pornic, parce qu'on a besoin d'avoir cette vision globale, de voir comment on pourrait rebouger les, faire, faire bouger des mouvements de population, comme je l'ai dit, vers des collèges en capacité encore d'accueillir. Et tout cela, oui, bien sûr, pour conclure, c'est pour le bien de nos collégiens, pour faire en sorte que ces quatre années collèges soient les plus fructueuses possibles et leur permettent d'envisager sereinement leur avenir. Voilà. Merci. Président. Je suggère à notre collègue Marcel Verger de, de lancer un marché pour l'acquisition d'une boule de cristal qui, qui pourrait nous être utile. Nous, 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 nous sommes face à un, à un sujet, encore une fois, de, de, qui met en jeu des paramètres, certains rationnels, d'autres moins eh, où nous devons faire face bien sûr à, à l'afflux démographique. Eh, nous devons faire face aussi au renouvellement de notre patrimoine eh, qui date euh, quasiment de, 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 des années 70-80. Eh, nous devons faire face aux évolutions sociologiques qui font que certains collèges sont désertés. Par certains, par des stratégies d'évitement. Nous sommes dans un département où le choix est important entre le public et le privé, ce qui n'est pas le cas d'autres régions de France. Et euh, l'ensemble de ces paramètres euh, montre à l'évidence que nous sommes à la fois dans des choix rationnels vous avez raison de souligner l'ensemble des études et des confrontations d'études qui doivent être organisées. Mais savoir mesurer les, la démographie scolaire à 3-5 ans, nous mesurons déjà la difficulté de l'exercice lorsque nous livrons des collèges. Mais le faire à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qui représente au fond la durée de vie d'un collège, au, au moins je l'espère, puisque nous sommes en charge de, 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 de transmettre aux générations futures des établissements durables, c'est évidemment mission impossible. Donc ce sont véritablement des, des choix que nous devons opérer ensemble à la fois sur des critères objectifs mais aussi sur la vision que nous pouvons partager à ce moment de l'histoire sur le, le développement de de la loire atlantique souhaitons que nous fassions les meilleurs choix possibles et que nous puissions aussi garantir la réversibilité c'est ce à quoi nous avions réfléchi de nos collèges euh, peut-être dans 30 ans 40 ans auront-ils ou pourront-ils avoir d'autres usages je rappelle également que c'est une difficulté nous avons quasiment la moitié des collèges dans la métropole, que nous avons euh, sur ces territoires euh, des questions euh, liées à la mixité sociale et que la compétence scolaire, à l'échelle de la métropole, comme partout ailleurs, est de compétence communale. L'enseignement élémentaire est de la compétence des villes. Et que donc ce sujet-là, nous devons l'aborder avec euh, les maires, tous les maires, et que parfois nous pouvons aussi connaître... Euh, des appréciations différentes des politiques des uns et des autres. Donc, c'est un sujet qui mérite véritablement que nous nous y engagions. Je rappelle aussi que nous avons perdu la compétence pour un autre euh, paramètre, celui des transports scolaires, qui était évidemment pour nous aussi euh, une force pour ajuster euh, les périmètres. Voilà. Et que les dérogations, s'agissant des, des, des affectations, relèvent euh, uniquement de l'Académie, de l'inspecteur d'Académie, et que la création de postes, de classes, de collèges, relève comme l'a dit notre vice-présidente de, de l'Académie. Donc, voyons, soyons à la fois perspicaces, ayons cette vision partagée de l'avenir, et un tout petit peu d'humilité sur les choix que nous faisons, parce que, à l'échelle de, de 40 années, ceux qui, celles et ceux qui siégeront ici jugeront du bien fondé de, de nos choix, sans doute. Voilà, je propose de mettre aux voix euh, le, euh, ce vote. Le scrutin est ouvert. Je vous précise pendant le, le temps du scrutin que je recevrai, nous recevrons ce midi euh, Monsieur Yannick Blanc qui est le président de l'agence du service civique en France et M. Ludovic Abivin qui en est le directeur général qui sont venus ce matin en Loire Atlantique pour mettre en place une démarche pilote service civique et handicap coordonnée par la plateforme citoyenneté engagement emploi Tcap et les CMA et je rappelle que nous avions organisé ici une soirée pour lancer cette cette plateforme. Donc j'aurai le plaisir de les recevoir ce midi dès que nous aurons terminé de voter. C'est le cas, le scrutin est clos. Les résultats, unanimité, sauf Yannick Bigot qui, qui a hésité sur ce vote. Et je vous propose que nous nous retrouvions à 14h. Merci.